Bonjour à tous. Je suis Héloïse Coneza, je suis conservatrice en charge de la collection de photographies contemporaines au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. Je représente ce matin Laurence Angel, la présidente de l'ABNF, qui est désolée de ne pouvoir être des nôtres, mais qui accueille avec enthousiasme cette matinée d'études, la seconde que nous accueillons ici à l'ABNF depuis la première édition qui s'est tenue en 2019. Donc très, très heureuse de voir un auditorium avec de vraies personnes. Et j'espère que cette année, le thème de la diversité, ou plutôt des diversités, qui préside cette matinée d'études, sera extrêmement stimulant pour chacun d'entre vous. Alors, la photographie est un des piliers de la politique culturelle de la Bibliothèque nationale de France, aussi bien en termes d'acquisition que de valorisation. Le médium est représenté dans plusieurs départements de l'ABNF, le département des arts du spectacle, le département des manuscrits, des cartes et plans, mais il se trouve présenté en priorité au département des estampes et de la photographie. Dans ce département, la photographie y est révélée dans toute sa polysémie, qu'il s'agisse de photographies d'auteurs ou de photographies vernaculaires. La photographie est présentée dans tous ses genres, portraits, paysages, sans exclusive, photographies de mode, de publicité, photographie artistique, créative, mais aussi photographie de presse. Et à cet égard, je voulais évoquer avec vous la mission qui nous a été confiée par le ministère de la Culture dans le cadre du plan de relance et de soutien à la presse, puisque le ministère a demandé à l'ABNF d'être opérateur d'une grande commande à l'intention de près de 200 journalistes, photojournalistes, afin de représenter la France. Mais je laisserai Fanny Escoulen, ici présente, en tant que directrice du bureau de la photographie à la Direction générale de la création artistique, je lui laisserai le soin de vous reparler peut-être de tout cela en détail. La photographie participe donc du grand dessin encyclopédique et universaliste qui préside à l'état d'esprit d'un établissement public culturel tel que l'ABNF. La représentation des expressions photographiques élaborées par les créateurs qui travaillent en France dialogue avec celle de photographes européens et internationaux. Cette diversité des écritures et appropriation de la photographie s'affirme dans l'attention croissante accordée à des sensibilités créatives variées, celles des femmes photographes par exemple, avec un travail mené de longue haleine par Angèle Ferrer qui a été boursière Roederer en 2020 et qui a travaillé sur les femmes photographes présentes dans la collection du département des estampes et de la photographie, mais aussi avec une politique d'acquisition ouverte aux photographes extra-occidentaux. Toutefois, il est important que ces sensibilités individuelles, indexées sur des identités de plus en plus revendiquées, se conjuguent avec ce qui fait le point commun, le point de réunion de tous les photographes, c'est-à-dire l'interprétation sensible et critique du monde et l'ouverture à de nouvelles formes. Il s'agit donc ici de souligner, dans ce mouvement qui impulse une diversification des modèles jusqu'alors en place, souligner la nécessité de ce qu'Édouard Glissant appelait une poétique de la relation, telle qu'il la théorisait, une politique qui relie, relaie et relate, et ne perd pas l'horizon de la constitution d'un lieu du commun, c'est-à-dire ce qui est certainement la meilleure définition que l'on puisse donner d'une bibliothèque telle que l'ABNF, ce lieu qui est aussi le vôtre, étudiant, enseignant une école de photographie. Et donc, je vous souhaite une très bonne matinée d'échange. Et je cède la parole à Vincent, voilà, directeur de l'École nationale.
Merci beaucoup, Héloïse. Merci à la BNF, évidemment, d'accueillir cette deuxième matinée de travail après celle de 2019. Donc, c'est évidemment la crise sanitaire qui nous a empêchés l'année dernière de rééditer la réussite de la première édition, hein, qui avait été tout à fait satisfaisante. Je remercie évidemment Mesdames Bergot et Figini, nos deux enseignantes de l'ENS Louis-Lumière, qui portent ce projet et qui ont tenu bon pendant cette longue période pour aboutir aux résultats que nous avons ce matin, à travers aussi l'édition du mois de juillet à Arles, excusez-moi, du Lapsus, qui est une édition aussi très importante de rencontre des écoles de photographie européennes, et qui, du coup, crée un double rendez-vous. Voilà, alors évidemment, on est dans un rythme un peu bousculé par la crise sanitaire. On est encore tous masqués. On doit évidemment présenter tous les passes sanitaires, etc. Mais on espère que rapidement, on sera sorti de cette crise pour aborder vraiment plus sereinement ce rendez-vous qui nous rassemble et qui nous permet chaque année de faire un point, dans le cadre de Paris Photo, sur l'évolution des recherches, un état des lieux des recherches dans le domaine de la photographie, que notre école, l'ENS Louis-Lumière, soutient naturellement avec enthousiasme, puisque c'est un très beau prolongement de l'histoire de l'école, cette école qui a été fondée en 1926. On parle souvent justement de Léon Gaumont et de Louis Lumière, mais en fait, Paul Montel, qui était le fondateur, disons, plus opérationnel et qui était un membre de la Société française de photographie, qui était né en 1879, membre de la Société française de photographie en 1919 et fondateur de cette école en 1926, qu'il a dirigé jusqu'en 1946. Donc voilà, ça a été le directeur fondateur, Paul Montel, et c'était un savant qui est un grand éditeur d'ouvrages techniques sur les opérateurs de photographie et de cinéma. Et donc, voilà, nous sommes ces lointains héritiers. Il faut être à la hauteur de cet héritage. Je crois que grâce à Mesdames Figini, Bergot, à Franck Mindon, aussi aux anciens étudiants qui sont là, je vois Arthur Cristani, nous formons tous une famille rassemblée autour de ces valeurs que l'image fixe, la photographie et, disons, le regard, et en particulier un regard pluriel et un regard tourné vers l'autre, humaniste. Ce sont des valeurs qui nous rassemblent et à travers le thème de la journée, c'est-à-dire la diversité ou les diversités, puisque à la fois la diversité géographique à travers les croisements culturels, en particulier dans l'ère européenne, mais au-delà, la diversité dans les sociétés elles-mêmes, les diversités de genre, les diversités d'origine, les diversités de croyances, ce sont naturellement des thèmes qui vont inspirer énormément de très beaux développements pendant la matinée. Et on peut naturellement même imaginer ou peut-être postuler que le grand mouvement d'émancipation que nos sociétés connaissent depuis un siècle et demi n'aurait pas existé si la photographie n'avait pas permis aux uns et aux autres de se reconnaître ou de se connaître à travers le monde. Et tout le monde comprend bien que si nous avons intégré dans nos sociétés cet humanisme qui se définit par la conviction que l'autre est un autre moi-même, la photographie, l'image fixe au milieu du 19e siècle, y est pour beaucoup. Voilà, donc je crois que le thème, la qualité des intervenants, que je remercie évidemment de participer à nos côtés à cette matinée, et l'encadrement de cet événement sont de premier ordre. Et donc, je vous souhaite une bonne matinée de travail. Je me réjouis de savoir que vous allez échanger et peut-être on en parlera en interne à l'école. Ce serait pas mal qu'on publie les résultats de vos travaux. On va en discuter avec Madame Figini. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir. Bonjour. Alors, j'ai pas beaucoup de voix ce matin.
Je ferai court. Donc, je suis Fanny Escoulen, chef du département de la photographie au ministère de la Culture. Donc, comme le précisait Héloïse à la direction générale de la création artistique, j'ai pris mes fonctions il y a 2 mois et demi. Avec grande joie et grande conviction aussi que beaucoup de choses restent encore à faire et à construire, notamment autour de ces questions de diversité, de parité. Voilà, donc je suis très heureuse d'ouvrir cette très belle journée d'études et merci de votre invitation. Je suis diplômée de l'école d'Arles également. Ça date un peu, c'était il y a une vingtaine d'années. Je suis doublement touchée évidemment et intéressée de réfléchir à ces questions de diversité, d'égalité, d'inclusion et de complémentarité au sein des écoles. Je ne crois pas que nous abordions ces questions réellement il y a 20 ans, quand j'étais à l'école. Je ne crois même pas que nous les abordions il y a une dizaine d'années. Prendre en compte la diversité du genre, la parité, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le métier de photographe, réfléchir à l'importance de la diversité culturelle, sociale, raciale, identitaire, n'était pas dans l'air du temps. Avions-nous en France un train de retard par rapport à d'autres pays, tels que les anglo-saxons, bien plus avancés en la matière, et je vois Anna Fox dans la salle, et je pense qu'elle pourra nous en parler. Il se peut que oui, mais les prises de conscience sont arrivées, et enfin, depuis quelques années, nous mettons en jeu ces problématiques dans les formations et dans les programmations. Je salue au passage Martha Gilly, qui a beaucoup œuvré au jeu de paume de ce côté-là, et qui continue évidemment à l'école d'Arles. Nous voyons que les chiffres progressent, du côté de l'égalité en tout cas. 34% de femmes sont présentées aujourd'hui sur les stands à Paris Photo, contre 20% en 2018. La part des femmes exposées dans les festivals, dans les centres d'art, aussi dans les acquisitions publiques, progresse. Et davantage de femmes sont présentes également dans les jurys pour prendre en compte cette nécessaire égalité et enfin reconnaître la juste place des femmes dans la photographie. Le ministère de la Culture mène depuis plusieurs années cette politique volontariste et ambitieuse pour promouvoir l'égalité et la diversité, lutter contre les discriminations et prévenir les violences et le harcèlement sexuel et sexiste aussi, à la fois en interne mais également à travers le déploiement de l'ensemble de ces politiques culturelles. Nous travaillons au quotidien avec nos partenaires, opérateurs, structures culturelles, à veiller à cette diversité et à cette égalité. Plus aucune convention ne s'écrit sans qu'une mention y soit portée. Il en va de notre responsabilité, pouvoir public, de permettre au monde d'évoluer. Permettre au monde d'évoluer, c'est le regarder différemment et pas seulement à travers le prisme de notre culture, de notre confort et de nos acquis. C'est en acceptant de nous mélanger, d'ouvrir nos horizons, que le champ des possibles redeviendra réel et tellement plus enrichissant. Je sais que les écoles de photographie travaillent et prennent en compte ces problématiques en agissant dans les formations, dans les recrutements de leurs enseignants et dans la prévention aussi. Enfin, il me semble que c'est au stade le plus précoce de l'éducation, et ce bien avant même les études supérieures, que le monde pourra sans doute aller mieux si nous acceptions la diversité. Je peux dire 2 mots, Héloïse, de notre grande commande que nous portons ensemble et que nous nous réjouissons de mettre en œuvre là dans les prochaines semaines. Une commande donc qui est destinée au photojournalisme et que nous avons souhaité la plus inclusive possible également. C'est en effet, je pense, ce sera un projet qui comptera dans l'histoire de la photographie comme les grandes missions de la data ou la mission héliographique, puisque nous aurons 200 photographes qui recevront une bourse de 22 000 euros, ce qui est à un moment de leur carrière très conséquent. Qu'ils soient photojournalistes à un stade avancé ou plus jeunes photographes, puisque nous avons voulu aussi que cette commande s'adresse justement à des jeunes diplômés d'écoles de photographie ou d'écoles d'art qui ont des sections de photographie et dont les photographes se prédestinent à des carrières de photojournalistes. Voilà, donc nous sommes vraiment à l'aube elle est lancée. Nous avons commencé à recevoir, je crois, beaucoup de dossiers. Nous sommes très excités de découvrir les projets et voilà, donc au mois de décembre sera
annoncé la première fournée des 100 premiers photographes qui seront commandités pour ce travail. Et cette grande commande fera l'objet en 2024 d'une grande exposition à la BNF. Et elle se déploiera également sur le territoire français en amont. Donc, on aura la possibilité de voir les travaux exposés ici et là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle matinée de recherche et de travail. Bonjour, Vincent Spinette aurait dû être ici pour introduire cette demi-journée d'études. Il s'excuse, il a eu vraiment un imprévu et je le remplace. Je suis Véronique Figini, je suis maîtresse de conférence donc à l'École nationale supérieure Louis Lumière, une école qui est donc située à la Cité du cinéma à Saint-Denis, donc dans le département du 93. En quelques mots pour introduire cette demi-journée, je voudrais revenir sur qui organise ces rencontres. C'est un réseau, c'est un groupement de différentes écoles d'enseignement supérieur de niveau donc européen qui, à un moment, ont eu le besoin de se réunir afin de finalement, si vous voulez, de construire ensemble un réseau, un réseau pour donner tout d'abord une visibilité à la photographie, au métier de la photographie. Ensuite, également, c'était un réseau qui était bâti sur le fait d'accompagner beaucoup plus en avant aussi nos étudiants dans l'insertion professionnelle, qui, nous en cachons pas, est difficile. Également, accompagner nos étudiants dans leurs projets donc artistiques, hein, puisque, vous le savez, nous avons une pluralité de métiers. C'était aussi un réseau parce que nous avions ce besoin de nous rencontrer, nous, professionnels, hein, qu'on soit enseignants, qu'on soit également aussi praticiens, tous ces professionnels au profil très différent et très divers, hein, un lieu de rencontre pour partager à la fois nos expériences, mais également mener une veille documentaire, une sorte de veille active pour anticiper les métiers, les activités, les changements liés à la photographie, au métier de la photographie, qui, nous le savons, sont extrêmement, extrêmement mouvants. Ce réseau, ce regroupement, finalement, existe depuis 2016. Hein, c'est à la fois ancien et tout à fait récent. À l'origine, c'est quelques écoles. Il y a donc l'ENS Louis Lumière. Il y a l'École nationale de la photographie d'Arles. Il y a l'Université de Paris 8. Il y a la ELB, hein, dont Vincent Spinette est un de nos représentants, mais d'autres hein, aussi qui nous accompagnent. Et que nous et ce groupement que nous souhaitons bien évidemment développer. Comment se manifeste-t-il aussi ? Eh bien, il y a deux événements hein, par an qu'il organise. Un pendant les rencontres de la photographie à Arles. Et là, je tiens vraiment à remercier Martha Gilly qui nous accueille hein, chaque année donc au sein de l'école d'Arles. Et puis nous avons ce deuxième événement d'automne, je dirais. Et là, je remercie donc Héloïse Coneza et la présidente, bien sûr, Madame Angèle, qui nous fait l'amitié vraiment de nous soutenir. Ça c'est tout à fait concret. Et je ne développerai pas sur la Bibliothèque nationale à laquelle je suis particulièrement attachée en tant que chercheur et son rôle très 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 important. Et enfin, permettez-moi, avant d'accueillir donc Raphaël Berthaud, de remercier Fanny Escoulen, vraiment tout récemment nommée au ministère de la culture. C'est vrai, à une direction qui historiquement a été particulièrement active pour la création, hein, mais également pour la patrimonialisation. Mais ça, ce serait l'objet d'une autre rencontre. Merci d'être à nos côtés. C'est un soutien symbolique extrêmement fort et qui nous encourage effectivement
à développer d'autres projets. Sans plus attendre, je passe la parole à Raphaël Berthaud. Raphaël Berthaud, qui a accepté, je l'en remercie vraiment profondément, d'assurer cette conférence inaugurale. De manière, enfin, elle n'avait pas eu beaucoup de temps et elle nous a produit quelque chose de tout à fait vraiment formidable qu'on va entendre. Raphaël Berthaud est maîtresse de conférence donc à l'université de Tours. Elle a été l'une des co-commissaires avec Héloïse Conesa d'une très grande exposition ici à la BNF qui était paysage français et elle est aussi donc co-présidente du réseau des filles de la photo. Raphaël, je te laisse la parole. Je vous remercie. Merci Véronique pour cette introduction et merci à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tenais juste à dire que je m'exprimais ce matin en tant qu'enseignante-chercheuse et non pas en tant que représentante de l'association que je co-préside avec Sabrina Ponti. Donc, je vous remercie de cette invitation pour cette conférence inaugurale que j'avais choisi d'intituler « L'enseignement comme apprentissage du monde ». Je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai été contactée, ma première réaction fut d'être envahie d'un sentiment d'illégitimité immédiate. Je n'ai pas réalisé de recherche sur cette question. Je ne suis ni experte, ni spécialiste. Qui suis-je donc pour prendre la parole sur le sujet des diversités ? Donc, pour celles et ceux qui se demandent ce que je fais là, rassurez-vous, nous sommes d'accord. Mais j'ai aussi immédiatement reconnu ce réflexe propre aux barrières dites intériorisées par les femmes, dont nous parlions pas plus tard que lundi dernier, lors de la restitution de l'Observatoire de la mixité femmes-hommes par les filles de la photo. Celui de se sentir constamment dans l'imposture, pas assez compétente et pas légitime donc. Un réflexe que j'essaye de combattre chez les autres, il faut donc que je me l'applique à moi-même. Et si les coordinateurs et coordinatrices de cette journée me font confiance, dans la mesure où ce sont des personnes que je respecte, je vais leur rendre cette confiance et me lancer. Me voici donc à ouvrir cette journée. Et pour ce faire, j'aimerais ici vous proposer une série de questionnements qui me semblent primordiaux quand il s'agit d'enseigner à de jeunes gens une histoire, un métier et finalement une manière d'aborder le monde, comme l'a rappelé très justement Héloïse Conesa. Qu'est-ce qu'enseigner ? C'est transmettre. L'idée est donc la passation d'un savoir, d'un savoir-faire, d'une expérience, d'une génération à l'autre. Mais que faire ? Quand ce que l'on a appris et la manière dont on l'a appris sont aujourd'hui remis en cause par la prise en compte des diversités, justement, des artistes femmes, non-binaires, transgenres, queer, racisés, extra-occidentaux. Quand l'occidentalocentrisme de l'histoire de l'art est mis en lumière. Quand la figure du photographe telle qu'elle s'est diffusée depuis le XIXe siècle est examinée au prisme d'une critique des formes patriarcales et capitalistes. Quand les fondements de nos savoirs et savoir-faire sont interrogés par une société et une jeunesse qui souhaitent la prise en compte des minorités et refusent les formes de domination symbolique. Quand ces jeunes gens exigent de désigner et que l'on désigne ce que l'on nous avait appris à dissimuler, à laisser dans les angles morts des non-dits et des acceptations implicites. Quand les stratégies de contournement ou de composition sont devenues inacceptables au regard de cette génération qui nous met face au miroir de nos faiblesses individuelles et collectives. Mes propos peuvent vous sembler virulents, mais il me semble important de prendre la mesure du tournant que nous vivons. J'ai été et je suis personnellement régulièrement bousculée dans mes évidences et pour le meilleur, il me semble. Une fois le cadre posé, reste à savoir comment aborder concrètement ces thématiques dans l'exercice de notre métier d'enseignante, d'enseignant. Comment intégrer ces questionnements dans nos manières de transmettre, sur le fond, comme sur la forme. Que pouvons-nous apprendre de ces interpellations de la jeune génération ? Sur le fond,
La question s'est posée à moi il y a de ça quelques années maintenant. Je ne pouvais plus enseigner l'histoire de la photographie telle que l'on me l'avait apprise et réciter comme un mantra la familière litanie de génie, de style et d'œuvre. Je cite ici Abigail Solomon-Godeau. Ce panthéon devait laisser place à d'autres récits, à celles et ceux que cette histoire avait mis de côté trop longtemps, mais aussi peut-être à une autre manière de raconter l'histoire. Il ne s'agit pas de déboulonner les statues ou d'une prétendue cancel culture, mais bien plutôt d'augmenter notre histoire, de l'ouvrir, de l'enrichir. Aucune perte ici, au contraire. Je l'ai entendu comme une dynamique formidable de découverte. Parmi les angles morts de l'histoire de l'art photographique, comme de l'histoire en général, celui qui fait aujourd'hui le plus consensus est celui de la place des femmes. Si la revendication d'une meilleure visibilité des femmes dans le monde de l'art n'est pas nouvelle, il est indéniable que les 10 dernières années ont été le théâtre d'une accélération sans précédent de ce point de vue, et Fanny Escoulen nous l'a rappelé. Pointer la place laissée aux femmes dans les travaux historiques, comme dans les propositions contemporaines, dans les ouvrages encyclopédiques, comme dans les manifestations actuelles, est devenu légitime, presque évident. Nous n'avons plus peur des femmes photographes, pour répondre ici au titre de l'exposition manifeste qui a eu lieu au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie en 2015-2016. La prise en compte des questions de genre et des positionnements que l'on pourrait qualifier de queer reste plus problématique. Le consensus est moins évident. Interpellée par une étudiante, pas plus tard qu'avant-hier, sur la présentation de la photographe Claude Cahun lors de l'exposition qui lui est consacrée il y a 10 ans au Jeu de Paume, je suis retournée voir la présentation qui en est faite à l'époque. Et il me semble, à moins que j'aie manqué quelque chose, pas une seule fois le terme de lesbienne n'est évoqué, ni le fait qu'elle vit et crée avec sa compagne Suzanne Malherbe. Or, son travail est clairement et manifestement queer. Ses interrogations autour du genre s'éclairent à la lumière de cette expérience sociale. Pourquoi ce silence sur un secret de polichinelle ? Sans doute parce que les commissaires ont estimé que cela faisait partie de la vie intime et non du récit public. Or ici, comme ailleurs, l'intime est politique et vient former et informer le regard. En témoigne sans aucun doute l'exposition présentée cette année à Arles de l'artiste Smith et l'excellent numéro de The Eyes, transgalactique, dirigé par Smith et Nadège Piton en 2020. Une dernière question qui est encore un chantier à mon sens, celle de la visibilisation des photographes racisés. Une question épineuse, notamment en France, ancienne nation coloniale, héritière d'une tradition universaliste. Comment dire alors que notre panthéon, même renouvelé au prisme du genre, reste très blanc ? Je sais qu'en disant cela, je ne fais pas l'unanimité, le débat reste sensible, mais il me semble que nous devons toutefois l'avoir. Je ne dis pas que rien n'existe, rien loin de là. J'ai en tête autant l'exposition « The New Black Vanguard » à Arles et celle des abattoirs de Toulouse sur la Revue Noire cet été, pour ne citer que les derniers mois. Mais au-delà de ces valorisations ponctuelles, il reste un travail à réaliser, me semble-t-il, pour décoloniser les arts. Et je reprends ici le nom du collectif fondé en 2015, notamment autour de Françoise Vergès. Il faudra nous poser ensemble les questions des mécanismes structurels d'invisibilisation et d'exclusion racistes et coloniaux, comme nous avons su le faire pour les femmes. Enfin, si nous sommes d'accord pour mettre en lumière les exclus de l'histoire de la photographie, reste à savoir comment. Quelle stratégie adopter pour visibiliser ces photographes ? Est-ce par l'écriture d'histoires sectorielles, proprement féminine, ou queer, ou noire, ou racisée, au risque de l'essentialisation avec tous les problèmes que cela pose, car si la position de femme, de personne queer ou de personne racisée influe nécessairement sur l'expérience sociale et les conditions de création, supposer un déterminisme sur le contenu de la création elle-même reste sujet à débat. Faut-il agir par leur intégration à une histoire qui doit être alors renouvelée. En effet, la prise en compte de ces nouveaux acteurs et actrices nécessite de repenser le récit lui-même pour éviter que leur intégration ne se fasse au prix de la négation de leurs apports spécifiques. Est-ce que l'histoire de la photographie française, américaine, espagnole, de la période humaniste
de la nouvelle objectivité et de tant d'autres moments doivent rester les mêmes après ces relectures ? On le voit, la prise en compte d'une histoire de la photographie augmentée nous conduit à poser la question des modalités mêmes d'écriture de cette histoire. D'autres histoires de la photographie sont possibles, aurais-je envie de suggérer ici en faisant écho à un fameux slogan vieux maintenant de quelques années. De quoi parle-t-on ici ? Tout d'abord, de notre manière même d'écrire l'histoire de l'art et l'histoire de l'art photographique, de fait, en perpétuant un modèle occidentalo-centré sur le fond comme sur la forme. Sur des manières d'écrire qui fonctionnent par l'identification de canons, de styles, de courants, selon un modèle qui organise notre pensée et une structure qui exclut, de fait, des travaux, des manières de faire qui restent hors cadre. Dans le fond aussi, car cette histoire est principalement européenne et nord-américaine, laissant à la marge le reste du monde, Amérique du Sud, Afrique, Asie et tant d'autres espaces dans le monde. Que connaissent nos étudiantes et nos étudiants des scènes artistiques, de ces scènes artistiques à la sortie de nos écoles, à part quelques figures dominantes ? Je pose la question. Moi, en tout cas, en sortant de l'école, rien. Et même lorsque nous racontons l'histoire des photographes occidentaux, la présentation de leurs travaux omet souvent les rapports de pouvoir qui les sous-tendent. On ne peut être que frappé par les récits qui étaient faits des activités des photographes européens en Orient au XIXe siècle, sous un jour romantique, oblitérant les dynamiques coloniales qui sont omniprésentes, par exemple. Plus largement, ce sont les rapports de pouvoir inhérents à la pratique photographique qui sont aujourd'hui mis au jour. À la faveur du mythe de la transparence et de l'objectivité, que nous connaissons tous bien ici, ce dernier de médium a été sollicité pour soutenir des entreprises dites documentaires de contrôle social, idéologique, impérialiste, racial, sexuel, des rapports de pouvoir qu'il est important d'identifier et de nommer explicitement au risque de les perpétuer. Enfin, ce sera mon dernier point sur ces autres histoires de la photographie. De nombreux travaux aujourd'hui cherchent à faire l'histoire de pratiques longtemps déconsidérées. Je pense ici à la photographie privée avec les albums de famille, par exemple, ou à la photographie de studio et ses pratiques sociales ritualisées, ou encore à la photographie militante ou ouvrière qui s'insère dans une histoire de lutte sociale et politique. Dans le contexte français, par exemple, il semble important de réhabiliter les pratiques artistiques socialement engagées qui ont été longtemps disqualifiées, contrairement aux espaces ce qui se passe dans les espaces anglo-saxons, parce que soupçonnées d'un activisme qui serait étranger au monde de l'art. Quand les jeunes générations veulent changer le monde, un appareil à la main, il faut les accompagner, pas les ignorer. Pour résumer, l'ensemble de ces problématiques influe sur notre manière de construire un héritage, des modèles, des repères que nous pouvons proposer aux jeunes photographes qui viennent se former dans nos écoles. Car c'est bien comme cela que l'on doit comprendre ces débats et mouvements dans l'histoire de la photographie. Les enjeux sur son écriture ne concernent pas uniquement un cercle de spécialistes, mais engagent celles et ceux que l'on met en lumière dans les livres, les expositions, la manière dont on les raconte et la possibilité pour les jeunes générations de dialoguer avec cet héritage. Se pose ensuite la question de nos manières d'accompagner la création de ces jeunes photographes. Car enseigner, ce n'est pas seulement passer une connaissance acquise, comme nous le savons toutes et tous ici. C'est aussi accompagner de jeunes gens dans un moment de construction primordial. Nous avons une responsabilité en tant que rôle modèle. Aussi notre discours, mais aussi nos manières de faire et d'organiser nos enseignements sont à repenser. Écrire et parler de manière inclusive, et ne pas écorcher les noms et prénoms qui peuvent nous sembler peu communs ou étrangers, c'est évidemment un premier pas et il n'est pas que cosmétique. Celles et ceux qui le pratiquent ont constaté aussi bien que moi que cet exercice de langage déplace nos représentations de manière fondamentale. Mais il me semble qu'il y a d'autres pratiques de notre monde contemporain qui peuvent influencer nos méthodes d'enseignement. On observe par exemple le développement accru
de création collective, collaborative, participative, qui mettent à mal le modèle de l'auctorialité unique qui est au fondement de nos structures d'enseignement. Quand on sait l'importance de ces mouvements dans la création contemporaine, maintenir cette exigence d'une auctorialité unique, c'est presque couper nos étudiantes et étudiants de pans entiers du champ contemporain, et c'est dommageable, il me semble. On peut aller aussi un peu plus loin dans ce sens et finalement questionner la fiction qui se cache derrière cette forme d'auctorialité, celle de la figure de l'artiste, du génie solitaire, omnipotent et détaché des contingences matérielles, vous l'avez tous en tête. Cette fiction est le modèle sur lequel sont fondées les formations en école d'art et donc de photographie. On est évalué sur la réalisation d'œuvres qui doivent être le reflet de la créativité, toujours individuelle. Évidemment, je fais là une généralité, sans doute aurez-vous des contre-exemples, mais cela reste des pas de côté, il me semble, par rapport à ce qui fonde notre rapport à la formation artistique. Or, cette figure, à mon sens, est aujourd'hui critiquable. Tout d'abord, sur le caractère nécessairement solitaire de la création. Cette fiction a bien vécu et il serait temps de l'abandonner. Car nous savons toutes et tous que la création se fait en dialogue avec d'autres. Enseignantes et enseignants à l'école, puis personnes de confiance. Jamais aucun créateur ou aucune créatrice n'est seule. Cette fiction, à mon sens, est dangereuse et enferme nos étudiantes, nos étudiants dans des postures douloureuses qui ne sont pas toujours nécessaires. Et il me semble aussi que nos enseignements doivent prendre en compte les contingences réelles, concrètes de la création, au risque de devenir des instances de reproduction d'inégalités, si elles ne le font pas. En effet, les recherches et analyses montrent et démontrent qu'il n'y a pas de sujet par essence féminin ou masculin, mais que la propension des créateurs et créatrices à traiter des sujets dépend de leur accessibilité. Pour m'expliquer ici, je vais m'attarder sur un phénomène qui n'a que valeur d'exemple. Dans mes travaux sur la représentation photographique du territoire, j'ai été frappée par la minorité de femmes qui traitent de l'espace urbain. Et cela n'est pas le résultat d'un tropisme, mais plutôt d'un fait social indépendant de la photographie et démontré. Les espaces publics urbains sont inhospitaliers pour les femmes, encore plus pour une femme qui s'y installe longuement avec un appareil coûteux. Sciemment ou non, elles évitent donc cet espace pour se tourner vers les intérieurs ou les espaces naturels. Sur cet exemple, comme sur d'autres, n'avons-nous pas, en tant qu'enseignantes et enseignants, la responsabilité de chercher à faire bouger les lignes par des actions éventuellement interventionnistes, par des injonctions qui inverseraient volontairement les tendances observées ? Demander aux hommes de travailler sur l'intime, accompagner les femmes dans les espaces publics urbains ? Et les exemples pourraient évidemment se démultiplier. Le tour d'horizon que je viens de vous proposer ici n'a pas pour ambition d'être exhaustif, absolument pas, mais simplement de partager avec vous les questions qui me semblent être celles d'une époque riche de bouleversements et de remises en cause. Le seul enseignement que j'en tirerai ici est qu'il faut toujours rester en mouvement pour être une bonne enseignante, en tout cas pour ma part, à l'écoute du monde contemporain et surtout des jeunes générations et de leurs interpellations. Et notre responsabilité est double ici. Car si nous formons de jeunes photographes, nous orientons aussi la manière dont notre monde sera représenté à l'avenir. Notre rapport au monde influe donc sur son devenir, à n'en pas douter. Je vous remercie. Pendant que la première table ronde, les invités de la première table ronde s'installent, cette table ronde s'effectuera donc en anglais. Donc j'invite toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la langue à recourir au casque.
Nous bénéficions d'une traduction simultanée. Je voudrais vraiment remercier nos deux traducteurs. Je ne sais pas s'ils me font signe. Voilà, tout à fait. Vraiment, merci pour votre travail. Et cette table ronde va être animée, modérée par Arnaud Kiesinger. Arnaud Kiesinger, qui est donc maître de conférence à l'Université de Paris 8, hein, Paris Lumière Saint-Denis, et également qui est artiste photographe. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc l'honneur aujourd'hui d'introduire et de modérer cette première table ronde qui va travailler sur la question de l'égalité homme-femme. Et comme Véronique l'a dit, je vais le faire en anglais. I'm going to switch to English and first of all present you our four guests, and I try to just briefly introduce them to you, and I will ask them in the order I am presenting them to speak for 5 minutes, let's say, for a first tour, and then we're going to go to moderate a more open discussion. I'd like to start with Vladimir Kotra. I think you have the names here in front of you. Vladimir, you studied photography at the Institute of Creative Photography in Opava, which is a Moravian Silesian region in the Czech Republic. Your bachelor project, The Forest, was inspired by German Grimm's fairy tales and human unconsciousness. And your master's project was the Chimera book, photo book, which documents experiences of an intersex person during her transition. For this cycle, you have been finalist for the portrait category of the 2016 Czech Press photo competition. And you finished a dummy book for your Chimera work, which we'll see in a couple of minutes, which has been shortlisted in different festivals and which made a tour in the whole world, I think, which had a great success. And you have been the winner of the Czech Young Photographers Prize for photographers under 30 years in 2020. And I had the pleasure to meet you. We had the pleasure to meet you last summer when we have been in Aal for our meeting in Aal. I will ask then Vera Leon, who is on my left, to make a second intervention. Vera, you are a researcher and an artist in visual arts and performance. Your PhD, also in 2020, focused on photographic education in France and Europe in the 20th century through the lens of class and gender. You are teaching in your fields as a researcher and as an artist in different universities and art schools. Recently, you curated an online exhibition called I Wish I Would Have Been an Artist. Your work has been rewarded by the Research and Creation Fellowship of the Institut pour la Photographie, Institute for Photography in Lille, the Walter Seligia Prize of French Academy, or for instance, the Visiting Fellowship of the University of Birmingham in UK. I have the pleasure to have you with us here, and also the pleasure to say that you studied also at Paris 8, part of your studies. I will then ask Anna Fox on my right to talk about the situation in the UK and especially about her project Forward Women in Photography, a research project. Anna, you are one of the, I can say, most outstanding British photographers, actually, best known for a work which you did in the 80s, in the late 80s, I think, which was called Workstations, Office Life in London, a study of office culture in Margaret Thatcher's Britain. In 2010, you were shortlisted for the Deutsche Börse Prize. You are professor of photography at the University of Creative Arts in Farnham, where you direct the Fast Forward project, Women in Photography Research, for which you have been awarded grants from the Leverhulme Trust, the British Council, and the Arts and Humanities Research Council. A very interesting project. We will come back to this in a couple of minutes too. And last but not least,
thank you very much, Marta Gili, to be here on the extreme left wing. Marta, you are curator and writer. I think it's difficult to present Marta Gili here in Paris, but I will try with the most important informations. Perhaps the most important actually is that you are since September 2019, with a difficult start in COVID, the director of the École Nationale de la Photographie in Arles, here in France. You have been and you are most known for that, director of the Jeu de Paume National Gallery in Paris from 2006 to 2018. And previously of that, you had headed the Department of Photography and Visual Arts at the Fundación La Caixa in Barcelona between the early 90s and 2006. Marta, you have organized numerous monographic and thematic exhibitions in the field of photography and of the moving images, and you acted as art director of major cultural events in France, Spain, and Latin America. So we are also a specialist for the international dimension, which we will discuss on the second round table. And you will also have the possibility to talk perhaps about your experience that we all know here with the exhibitions you did and organized at the Jeu de Paume and the question of women and men, and also your experience, which is quite fresh, perhaps at the École Nationale de la Photographie in Arles. So you can see we have a really beautiful panel with different approaches, and you understand that we will start with a work. Vladimira will present her work and comment. She will not directly comment the slides we will project, but she will talk about her work. Then we are going back with Vera to a more historic dimension, I would say, in research. Then we will have Anna Fox, who will talk about the actual situation of her project and in the in the UK. And finally, Marta Gili with the first intervention. And then, if we have the time, we try to discuss and to put some questions of the public too. So I will try to make this function. I will just put the slides for Vladimira. Normally it should work. I can think you could switch on the screen. Yes, perfect. Thank you, Vladimira. It's nice to be here. Thank you for the invitation. I would like to share with you my personal experience with Chimera project with you. Although it could seem incredible and far away from most of us, each person is determined by traumas, pains, and by parents, of course. And this way is diversity, personality, sensitivity, and life attitude born. Each of us is unique, but however, Gabe's cocktail is pretty dense. So let's start. Paul was the classmate of my ex-husband in secondary school for gifted children. They didn't see each other for a really long time, but when we moved to Prague, he visited us very often. But they were speaking about stock exchanges and politics and other topics which I don't understand much. So I was staying this time in another room. However, a few months later, Paul has a vivid dream which shows him his transgender identity. From that moment on, Paul became Gabi. And I started to be closer friend with her than my husband in this time. I help her with first makeup when she go out for the first time like a woman. We choose a wig together and go shopping, for example. Gabi was convinced that all her problems in her life was stemmed by being born in wrong body. Unfortunately, this wasn't so easy. Never it is so easy. Gabi was always been different. She never fit to any collective, and
Her father left her when she was a child, and her mother left her when she was 15. She was born with IQ above average, and she claims that she had her first sex at age of 7. It looks incredible, and I don't know if it is true, but my opinion is that she maybe was raped when she was a child. She also experimenting with drugs in teenage. At the beginning, when she starts her transformation, everything goes really well, first half year. She was really enjoyed all women activities, and she felt finally happy. It was so nice to watching her. Unfortunately, until the moment when she realized that she never be a real woman because she couldn't came the baby to this world, and it was horrible. It was horrible for her, but also for me, because I don't know what to say her, and it was really difficult. From that moment, everything was changed. She started to put, to share on Facebook lots of statuses full of hate towards herself. Every day some status with dysphoria and depression. And I was afraid to open the Facebook in this time. Everything upgraded when she shared goodbye letter on the Facebook. I had before my shift in cafe, and I wasn't able to concentrate to anything else. Fortunately, at the noon came the message she was alive. They managed to save her. But nothing was the same like before. A few months later, she told me that she don't want to continue with photography, and she cut my husband and me off. And she told us that we didn't help her when she felt bad. Half year later, she apologized us, and she told us that doctors found out that she is not transgender, but she's intersex. This means that Paul's embryo was joined with embryo his unborn sister. But nobody knew about it. So Gabby, because of this, isn't transgender, but intersex. She has always had more women hormones than men. She has 75% organs with XX women chromosomes. So she was always being more a woman. For me, this project is mainly about searching of love to yourself, to abnormality, and about identity, and about many other contrasts which all of us bears inside. Thanks to Gabby, I was thinking about my gender identity for the first time. What does it mean for me be a woman, and why is it so important to define it? Isn't questions about gender just an escape from the most important question who all of us to put or ask to yourselves to find answer to question, who am I? Who am I without? Who am I without gender or profession or what others say about us? I believe that transition was a really important piece for Gabby
in her path to better life. I think it's generally it's really important to be empathetic and do not insulting people because of gender, identity, or origin, but with respect to each person. I wanted primarily show how complicated Gabi's feelings was. And because of this, I use in my book her statuses full of depression, also her selfies from mobile phone, and also some diary posts which in where you can read about some stories from her childhood. Thanks to this diversity, we can better understand Gabi's personality. Thanks to this diversity in the world, we can better understand functioning of the world. So that's all. Thank you for your attention. Thank you very much, Vladimira, for this very strong and destabilizing introduction of this work, which is which has a beautiful form in a book, in a very intimate book of 300 copies. And you have seen a projection here, quite confused and confusing concerning the compared to the book. But you could perhaps see one of the copies of the book you've brought with you to see this work organized in a very intimate book form. So thank you very much for this introduction. And we're going to go to Vera, change a little bit the perspective and going back to a kind of historic archaeological view. And I have also some images for you, Vera. You want me to project them during your intervention? Yes. I will tell you. And you tell me how to proceed. Yeah. It's a PDF. Okay. Perfect. Thank you very much. And thank you for inviting me to this very exciting panel, I think, because it was at least not possible, I think, to have the same conversation maybe even 5 years ago. So it's really a great opportunity to talk about this topic. I will switch to French, I'm sorry, but I promise for the discussion I will speak in English. Donc je vais parler à partir de ma triple expérience et de ma triple sensibilité, on peut dire, par rapport à ce sujet. À la fois mon expérience en tant que personne qui a été formée dans un cursus de photographie et art contemporain, en tant que aussi personne qui mène du coup des recherches plastiques et performatives sur ces questions-là, de formation du regard notamment, et du genre dans la formation du regard. Et puis à partir de mes travaux de recherche, qui ont donc été sous forme de... qui se sont clos l'année dernière sous forme d'une thèse qui portait précisément sur la question de ces questions de genre dans la formation du regard et dans les écoles de photographie. Alors, est-ce que l'égalité et le féminisme coulent de source aussi naturellement qu'avec la fonte des neiges au printemps dans le monde de l'art et dans les écoles de photographie? Il me semble qu'on peut en douter. D'abord parce que le genre, en tant que principe de différenciation et de hiérarchisation, donc c'est une catégorie sociale qui est sans cesse en jeu dans toutes nos interactions sociales, dans l'ensemble des structures, au niveau intime jusqu'au niveau macro-structurel. Et en ce sens, ce rapport structurel-là, il infuse dans l'ensemble de nos pratiques sociales. Et donc, en particulier, en plus, dans un monde de l'art et dans des lieux de formation qui transmettent aussi les codes et les valeurs d'une culture professionnelle qui, quand même, a comme objectif notamment d'intégrer ce monde de l'art, les principes de hiérarchisation et de distinction sont extrêmement importants et ils sont fondés en partie sur le genre, même si une des découvertes, on peut dire, que j'ai faites aussi au cours de la thèse, c'était que les inégalités liées au genre repose aussi, bien évidemment, on le sait, mais on en parle quand même moins actuellement, et je pense que c'est important de le rappeler, aussi sur des inégalités liées aux origines sociales et à la détention de capitaux économiques et de capitaux d'une
de capitaux culturels qui permettent justement de s'intégrer avec naturel dans ces milieux-là. Donc c'est extrêmement important de relier les différentes catégories d'analyse en ce sens. Et donc la catégorie du genre fait partie de ces principes de hiérarchisation et de distinction. Et je crois que Raphaël, en introduction, a très bien parlé de la façon dont les écoles d'art continuent malgré tout à penser la pratique artistique bien souvent, en tout cas, bien sûr, il y a plein heureusement de résistances de partout, mais bien souvent, la structure nous pousse au contraire à individualiser et notamment à essayer de distinguer parmi finalement l'informe du monde social, mais aussi l'informe de différentes dynamiques collectives, essayer de distinguer qui sera la personne qui va, elle, surgir de cet ensemble de l'informe et qui va pouvoir justement avoir des qualités de distinction, des qualités de génie créateur. Et donc, c'est vrai que ces lieux de formation sont des lieux très importants justement dans cette dynamique justement de reproduction sociale. Ça a été montré par énormément de travaux en sciences de l'éducation, comme en histoire de l'éducation, etc. Et puis, la deuxième raison aussi pour laquelle... l'égalité et le féminisme ne coulent pas toujours de source aussi naturellement que la fonte des neiges, c'est qu'il y a une méfiance historique, moins chez les artistes, mais dans les mouvements féministes, notamment dans les années 70, la photographie ne fait pas forcément partie des médias qui sont plébiscités, justement parce qu'on considère que la photographie, elle réduit, elle objective, elle réifie, et elle devient une surface, et du coup que les femmes perdent en fait leur... ça a été étudié par une thèse notamment d'Hélène Flequinger qui travaille justement sur l'art vidéo et donc qui montre que justement la photographie elle est repoussée au profit de la vidéo notamment parce que la photographie on voit surtout ses usages publicitaires, ses usages qui du coup encouragent une culture visuelle extrêmement stéréotypée. Donc il y a une méfiance. Malgré cette hostilité d'un substrat rocailleux, un peu pierreux comme ça, il y a un certain nombre de fleurs qui peuvent émerger, qui luttent pour leur survie dans ces milieux parfois hostiles. Et ce contexte est notamment plus favorable, notamment depuis le mouvement MeToo, bien sûr, mais aussi évidemment avec des mouvements féministes qui sont bien plus anciens que ça, hein, qui nous viennent du 19e siècle et même probablement avant, et qui renouvellent justement aujourd'hui la question des luttes de représentation, des luttes de visibilité comme faisant partie prenante de cette lutte pour la justice sociale, pour l'égalité. Donc c'est vraiment des outils qui sont aujourd'hui très, très importants, au contraire, dans le mouvement féministe actuel. La capacité dans ce cas-là de la photographie à interroger le point de vue et les rapports de pouvoir qui déterminent le point de vue, c'est-à-dire d'où, qui a le droit de prendre des photos de qui. C'est une question qui est par exemple très importante sur la question policière, mais aussi qui peut produire quel point de vue sur qui, voilà, d'où est-ce qu'on regarde et comment est-ce que notre point de vue individuel, mais aussi du coup ancré dans des catégories collectives et sociales, va déterminer la façon dont effectivement on produit un regard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de déjouer ce déterminisme social, mais simplement ça veut dire que quand même la photographie peut justement être un levier pour interroger ce regard. Et en ce sens, il y a des stratégies nécessaires pour justement faire face à cette hostilité parce que ça reste quelque chose qui est compliqué pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, d'où les épines parfois aussi qu'on a besoin de développer pour continuer dans cette hostilité-là. À avancer. Alors, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Comment éviter que l'histoire ne se répète indéfiniment et que finalement tous ces mécanismes-là continuent à s'ancrer ? Alors, la première chose, évidemment, c'est... là, je vais parler uniquement des écoles de photographie. On pourrait après sûrement élargir la discussion bien au-delà. La première chose, évidemment, c'est les concours d'entrée. Très concrètement, pour rentrer dans un cursus, réfléchir à la façon dont l'entrée dans une école va déterminer le public de cette école et va déterminer ensuite, du coup, la trajectoire. Et en ce sens, par exemple, dans le milieu académique, il y a des guides d'équité, notamment en Suisse, par exemple, c'est quelque chose qui est très développé, de sensibiliser un jury à l'ensemble des pratiques discriminatoires qui sont parfois, évidemment, complètement inconscientes, mais qui participent justement à freiner l'entrée dans un cursus de ce type. Par exemple, pour le cas de mes recherches, donc, qui portait sur
les écoles de photographie, notamment l'école Louis-Lumière dans la deuxième partie du XXe siècle. Il y a eu un concours d'entrée qui a été mis en place dans les années 50 pour la première fois, alors qu'avant c'était sur dossier. Et puis ensuite, les matières en fait, de ce concours d'entrée vont se modifier. On va passer d'un concours qui est essentiellement orienté vers le dessin à un concours qui est essentiellement orienté vers les sciences. Et on comprend donc, tu peux passer à la diapo suivante, ça fait partie, c'est multifactoriel bien sûr, mais ça fait partie des éléments qui permettent de comprendre la très forte diminution de la proportion de femmes dans cette école dans l'après-guerre. Okay. Je vais ralentir. Deuxième élément sur lequel on peut travailler, bien sûr, c'est la question de la pédagogie. Notamment la question de l'intégration des pédagogies critiques. Alors, elles ont plein de noms différentes et elles ont plein de théoriciennes et théoriciens différents. Bell Hooks, par exemple, est une référence incontournable en la matière de pédagogie féministe. Dans ce cas, il s'agit de conscientiser les rapports de domination dans les cursus de façon explicite. C'est-à-dire que la différence entre une pédagogie juste inclusive et une pédagogie anti-oppressive, vraiment qui essaye de justement transformer et utiliser des leviers pour transformer la société et du coup déjà transformer dans l'école, c'est justement travailler sur ces rapports de domination de façon explicite, à la fois sur les contenus, Raphaël en a parlé tout à l'heure, qui est-ce qu'on présente, quels travaux on présente, mais aussi sur pas seulement les contenus effectivement des incontournables, mais aussi comment est-ce que la culture visuelle, de manière générale, a participé à invisibiliser toute une partie de la société, à invisibiliser un certain nombre de points de vue. Et puis, c'est aussi faire attention à la façon d'enseigner, et donc évidemment aussi aux pratiques pédagogiques, et aussi, par exemple, au fait de effectivement encourager aussi, par exemple, des pratiques plus collectives, ou aussi de réagir de manière institutionnelle, sans embâche, quand il y a effectivement des cas qui sont incessants, et entre élèves et entre professeurs et élèves. Il y en a dans toutes les écoles. Et moi, dans ma thèse, j'ai rencontré dans mes entretiens que j'ai fait avec d'anciennes élèves qui aujourd'hui ont entre 70 et 90 ans. On a bien sûr des cas de harcèlement sexuel, de violence sexuelle. Donc ça, c'est vraiment évidemment un levier majeur pour justement ne pas décourager, mais c'est le cas dans tous les milieux professionnels, ça pour le coup c'est pas propre à la photographie, mais c'est évidemment un levier majeur. Et puis réfléchir à la valorisation des différents genres photographiques, c'est un peu ce que tout à l'heure tu disais aussi, la façon dont effectivement selon le genre de la personne qui s'empare d'un certain genre, pour le coup, photographique, ce n'est pas toujours valorisé de la même manière. Et comme il faut que je fasse quand même un peu court, parce qu'il faut que je laisse de la place, je vais essayer de couper, mais en gros, être extrêmement vigilant sur ces ensembles de discours et pratiques qui relèvent de la misogynie, de l'homophobie, de la transphobie, qui sont effectivement des fléaux qui n'aident pas ensuite à pouvoir intégrer de manière sereine un milieu de l'art qui est déjà extrêmement dans lequel les dominations et symboliques et matérielles sont extrêmement puissantes. J'aurai plein de trucs à dire évidemment, mais je vais m'arrêter, mais en gros peut-être parler aussi de l'accompagnement, tu peux passer à la diapo suivante, à la fois des... Ok, alors ça, encore suivante du coup. La question aussi des politiques visuelles, comment est-ce qu'on représente nos propres écoles, comment est-ce qu'on se représente, alors là c'est les politiques visuelles dans une brochure qui présente l'école, mais aussi au-delà, comment est-ce qu'on présente son école à l'étranger, qui est-ce qu'on présente, enfin, évidemment toutes ces questions-là qui sont importantes. La question du recrutement des enseignants, mais je vais m'arrêter parce qu'en fait je pourrais parler pendant 2 heures, donc voilà, mais j'ai hâte d'entendre aussi vos points de vue de Anna et de Martha et puis de discuter ensuite de tout ça avec vous. Thank you for being so short, but we will have the time afterwards also to get into some of those recommendations. Thank you very much for this first two, and perhaps we could also comment a little bit the statistics you showed 2 minutes ago. I'm going to move to Anna Fox and to have another perspective from the UK, or perhaps also a more worldwide perspective on these questions. Please, Anna.
I have also some slides for you. And yeah, thank you for inviting me. This is absolutely fascinating to be here, I have to say. And I hope mine hasn't got timing on it because it's not supposed to. I've done, Arno asked me to talk from a personal perspective. And actually it's been very important for me to reflect back because I realized that I hadn't reflected back enough. And that at the beginning of my career, which was at Farnham Art School in 1983, can you go to the next slide? This is half of our class. I don't know why I haven't got the whole class. I was one of 30 photography students and five of us were women. So as I said, at the time, I didn't really think about that. And it wasn't until later that I started to think about it. So if you could move to the next one, yeah. And it wasn't till later also that I started to think about how I was being discussed in relation to my education in the photography media. And these were three key tutors of mine who I know you all know. And what I realized when I started looking at how people were presenting me is that people were saying an Anna Fox studied with Martin Parr and Paul Graham. And I thought, well, I studied with Karen Knorr as well. And this is one of the key things. So I'm leading up to why Karen and I actually started the project Fast Forward. It's one of the key things that we've noticed for women in photography is that we are forgetting women, that women exist in photography, but all too often are being forgotten, and it's all of our responsibilities to change that. So now when people say that I was taught by Martin Parr and Paul Graham, I always add, and Karen Knorr. And you can see very clearly from these works by these fabulous photographers, if you move to the next one, how my first work, which was about a small town called Basingstoke, grew out of having had a relationship with these three professors in my art school. So the influence of all three of them is really clear in my work, even today, but very clear at the beginning. Okay, I think we can move to the next one. So when I graduated and went out into the world, I entered into a group called the New Colour Documentary Photographers, or something of that kind, or the British Colour Documentary Photographers. And again, I didn't really reflect on this at the time, but in terms of how we were promoted out there in the world, I seemed to be the only woman in the group. But now when I look back, there were definitely other women who could have been talked about in this group. And also, I think it began to dawn on me slowly that actually, as women, we weren't being included in many, many important things. And, I think somebody said maybe Britain was ahead in terms of representing women in photography, but I'm not sure that we are, because if you look here, the first, and even in supporting photography, so the first major show of photography at Tate Modern was 2003. They didn't get a photography curator, I don't think, till 2009. But in that show, there were 24 men and 3 women. And so I've, again, looking back, I was entering into a world where I was going to have to fight harder. I was very ambitious and very determined young person coming into photography, that's for sure. But in order to counteract this narrative, I was going to have to fight harder. I didn't work that out at the time. So if you move to the next one, these are more recent examples, 2016 and 2017, you know, a 4-part history of British photography on BBC4 with only 8 women represented as photographers. There were women curators speaking, and none, even though they had a contemporary, the fourth programme was contemporary photography, there were no live women discussed on this programme. And 2016, is it, 14 women and 86 men in 100 great photographers. And I think it was a bit earlier, Raphael said that the Paris Photo has succeeded in getting 34% women at Paris Photo.
But actually, it's not a, for me, that's not a success. And one, if you go to the next slide, one of the things I want to go on to say is there are many women photographers out there in the world. There are many books all over the world about women in photography. I recently, or in the last few years, I was called to a meeting with a designer of a very well-known art book, photography art book publisher. And during that lunch meeting, he asked me, how can we find more women photographers? And I felt found myself kind of flabbergasted by this, because I think it's about looking. So if you go to the next slide. You know, in our classrooms, this is our MFA photography at Farnham, which is a wonderful course, of course, and with many women tutors, including Karen Knorr and myself. And these are the kinds of numbers that we've had. And so you can see on occasion, we have had 100% women in our classes, and it varies from like 65 to 100%. So 34% at Paris Photo is not good enough at all, if that's the number of people that we're educating in our classrooms. And we have been right back until, you know, maybe even before 2011. Sorry, it's hard. I can't actually read that down there. Yeah, no, I can't read it. Okay, move to the next one. The next slide? Yeah, sorry. So that leads me on to think about fast forward in photography. And as I said, it was a research project started by... although it's going to go into timer now. You can if you can hold on that slide. Yeah. Started by Karen Knorr and myself in 2013. And it was through having this discussion about how many women we were educating in our classrooms. Yet when we looked at the art world of photography, because that's where we both exist, we were finding figures such as only 5% women being published by art photo art books publishers, and you saw those very small numbers in TV programs and in exhibitions, and we actually literally sat down and said, well, you know, one of our great entrepreneurs in photography in the UK has been Martin Parr. We all know that. We said, what would Martin do? And it was interesting that we had to say that, and I kind of wish we didn't, but it was a good thing for us to say. So they said he'd go to the Tate Modern for a discussion. And luckily, Karen and I had each other, but we also had a very powerful and important head of school, Sarah Jeans, who supported everything that we did. And so we went to the Tate Modern and we said, what can we do? And they were very clear about their thoughts on this, that they didn't want to do women-only exhibitions. And I can see the reasons for that. I don't know whether I agree with it or not, but I can see the problems with it. But they agreed in discussion that we would have a conference. And the conference was the first conference that Tate had done on women in photography, I think maybe on photography even. And it was sold out. It was really important and it was really interesting. We had something like 250 abstracts coming in, which is pretty unheard of for an academic conference. There was lots of fascinating material. It wasn't particularly broad internationally, which also interested me, which was when the next project I got was Leverhulme funding to go to 7 different regions of the world to run research workshops with amazing partners who were incredibly generous, and to discover more about what was happening in different parts of the globe. And that was equally fascinating, because not only is, as we've been saying today, are there not enough women being recognized in photography, the photography world, what we're exhibiting and what we're seeing in our histories is nowhere near representing the diversity of the world of photography. And so we changed the way we were doing things for our third conference, which was also at Tate Modern. And we wrote the call in a completely different way. And this face-to-face networking that we'd had around the world was incredibly important. And we were able to literally talk to people personally to encourage people to submit abstracts. And that worked. So the third conference was far more international. And so you could see the impact of the Fast Forward project through that.
if you just go to the next slide and hold it on just the timer. Went back to the... Okay, well, the next slide shows all the different research projects that we're involved in. And if you go to the website, you can subscribe, so you'll get regular updates. But you can also see all the mentorship, the conferences, the research workshops. And also we have an opportunities page, a galleries page, a journal page. And Maria Kapaiva, who's the project manager, runs a fantastic Instagram. So if you are worried that you don't know enough about women in photography, and especially about contemporary women in photography, go to Women in Photo, because it's curated beautifully and it's very exciting. And finally, we also have a manifesto, which I'd love it if you signed, for Women in Photography. And if, again, you have to read it, there are 10 points on that manifesto. And going back to teaching, I think there's some very key things that we need to do. One is obviously, starts with our reading list and our curriculum and how we teach. And I think many of us have been involved in decolonizing the curriculum. But I think the thing that we probably don't do enough is support our graduates and invest in our graduates. And I know some universities have very good networks for graduates, but I think we need to offer our graduates more support than just an email network. As well as that, I think we need to remember that we are not imposters. If we want to have, it's very important to have strong role models in photography. And if we want to have those models, then we need to support our established photographers better than we do. And we need to give them a strong voice. I've been teaching for 32 years and I have noticed the change in the education system and in the classroom. I haven't noticed enough of a change in society, and that's the other thing. It's not just the world of photography, it's the society we live in that is a problem for women. But I am hopeful. That's it, I think. Thank you very much, Anna. And we can indeed be hopeful for this. Very concrete examples and measures. This was one of the aims we had for this first part of the morning, also to give some recommendations or to give ideas, and not only to say, well, we have to, as you say here, to increase the involvement in words, but really in facts and in doing things. And this was the reason why we put this topics on the table. So we will finish the first tour with Marta Gili. Thank you once again, Marta, and you have also 5-10 minutes, please. Merci. J'ai l'envie de changer tout ce que j'avais écrit. Et pour le faire, je me suis dit je veux le faire en français, mais je veux faire un truc hybride. Mais après avoir entendu les premiers mots de Raphaël en disant bah, je ne me sens pas, je me sens pas peut-être dans la place qu'il faut, parce qu'effectivement, cette légitimité, parfois, chez nous, chez les femmes, c'est, bah, on la travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et je me suis dit, et je lui dis aussi, Arnaud, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va parler de l'éducation. Dans les écoles d'art, parce que je viens d'arriver et je me sens pas légitime. Tu peux inviter peut-être quelqu'un de mon école, un prof qui est là depuis 20 ans, depuis 15, depuis 6, peu importe. Mais c'est vrai que avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le moment, et là je reprends ce que Arnaud vient de dire, d'aller sur des projets très spécifiques, parce que c'est vrai, et là je fais cette introduction au jeu pomme que je voulais pas le faire, hein, mais que j'ai passé 12 ans au jeu pomme, et c'est vers 2010-2012 où je me suis rendu compte, parce qu'il y a eu un article dans un journal américain où ils faisaient un sort de statistique, parce que la statistique en fait c'est très important pour nous, mais parfois c'est un piège. Cette statistique, c'était quelle est la place des femmes artistes dans les programmations de musées du monde. Et ils se prenaient Pompidou, Tate, MoMA, Reina Sofia, Jeux de Pomme et je ne sais pas qui d'autre. Et en fait, la seule institution qui avait en 45% de femmes exposées, c'était le Jeux de Pomme. Et c'est là où je me suis rendu compte. Et avec mon équipe, on dit, oh non, tiens, on a fait ça et on ne savait même pas. Parce que c'était pas quelque chose que nous,
on travaille d'une façon consciente, mais inconsciente. Et c'est là, je pense, que ça doit commencer. Je remercie aussi les efforts du ministère de la Culture, quand le ministère de la Culture nous encourage aux écoles et aussi aux institutions aujourd'hui à comme disait Fanny, avoir une parité, tout ça, c'est très bien et c'est louable. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment le faire d'une façon inconsciente, parce que ça sort vraiment. C'est important que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités et pas faire des statistiques, même si, bien sûr, ce sont des outils hyper importants et qui nous rend un peu compte de notre vie. When I came to the direction of the École Nationale Supérieure de la Photographie 2 years ago, the truth is that I have never thought of running an art school. Don't even think about it. My professional life was elapsed between curatorship, publishing, exhibition programs, public programs, and administration, and trying to do fundraising. After 12 years at the head of Jeu de Paume, I was exploring the idea of stopping curating exhibitions for a while. I think that I have done like 450 exhibitions in my life and almost 300 catalogs and books, because I needed a critical distance from my own approach to critics. I don't know if you understand what I mean. So during these last 2 years, since I took the position at the art school, many questions about education, pedagogy, and the role of the art school have settled in my head. In addition, all this coinciding with the pandemic years, in which the activity of the school, as you can imagine, as everywhere, slowed down and was put into question. So I was, as maybe many of you, you were putting together all kind of tools in order to follow the online courses and trying to figure out how we can live without being together and trying to think how we can think together without being together. But I was reading during this period many, many books on teaching and education, even. And one of them, written by the Spanish philosopher Marina Garcés, under the title Escola de Aprenents, School of Learners, has accompanied me in the process of questioning the place of education in art schools. And Garcés writes, and I am translating directly from Catalan, so sorry. All pedagogy is not just a methodological receipt, but a vision of the world, of the conflicts, of the desires, the limits of, and the possibilities of each society and each historical period. The key question is how to educate. And the key question is how, of the ethics, of the politics, of the poetry. So Garcés' education can be understood in two ways, which is very easy, but very difficult here in France. Very easy in Spanish and English, but not in French. Education as a set, first of all, education as a set of techniques that enroll us in the world so the individuals and groups can function properly. It is an education as an instruction, that this is clear. This is the way that the French word of education has the strong meaning. But I want to change the French word, so. But also, education can be understood as the set of practices that make necessity a condition for freedom. That is, education as the art, education becomes an art of transforming what we are beyond the obvious and the immediate subordination. This is the emancipatory education, which involves learning to think for oneself. That is, to develop a capacity of understanding, for understanding one's own existence in relation to the things of the world and with others. For me, this second education meaning, which I insist with my colleagues, it's very difficult to talk because my colleagues at the school, because they are in the first meaning of education, not in the second one. For me, the second education meaning
is the backbone of my project for the Arles School. It means precisely that education as an art in itself has to solve, to cancel, to eliminate the boundaries between art and science, art and politics, art and critical thinking. So education is a kind of empowering practice, not a tool, it's a practice of critical thinking, a way to establish a symbolic relation with the world. The art school has its own specificity. This is a photography and images in general devoted, but it's an art school. It's labeled art school. That implies that this symbolic relationship with the world must inexorably occur. The temptation to reproduce the world, to simply restore it in something that the school is already avoided since 40 years ago. Critical seminars and the circulation of the world among peers and with teachers is one of the main axes of the construction of meaning at the school. For my predecessors and for me, the great challenge has always been to avoid self-confinement and self-satisfaction, which is very difficult. I see that today. Today, faced with the anguish caused by apparent lack of predictability in our lives, especially for the youngest, it seems that the ethics of care and ecofeminism can provide possible lines of work. I argue that today, in our education practices, we have to go further. We need to start thinking not in terms of the place of women artists or photographers in the world, but promote as well a critical thinking that takes care of everything of discrimination and domination. So, ecofeminism emphasizes as well the importance of the interrelationship between humans, non-humans, and the earth. An art school like the school that I am running, but many others, I think, cannot miss the opportunity to weave between teachers and students a solid structure capable of welcoming experimentation, research, attention, care, social and ecological awareness, and around issues of gender, diversity, inclusion, and other specific narratives. That is, an awareness of the policies of visibility and invisibility inherent in the production and circulation of images. There is no escape. Photography, as an artistic practice, has to deal inexorably with all fields of knowledge and practices of care. And when I am speaking of care, I integrate everything. To take care is to take care of any kind of justice, discrimination, any kind of issues that we have been talking around all this morning. And this is the great challenge of educational in general. As a critical pedagogue Henri Giraud puts it, this is a pedagogy in which the political becomes more pedagogical by taking on the challenge of using the power of persuasion to change the way people see things and resist what he called the political zombies. So I think that, I don't want to become a political zombie. And that is why I just let Jeu de Paume for a while and trying to think about it. Because sometimes we are labeled. So I was labeled as someone who was taking care of a kind of equal treatment of women artists and men artists and so on, which is something that I was, but it's just a kind of something that I don't want to be stick on, you know. So yes, I think the school has this this opportunity today to go further and to go in what we need in the situation that we are now, in this kind of crisis, which is not only a kind of gender crisis, but it's a earth, ecological,
and justice and all these kind of things that we are in immersed today, we are ill. So we are ill because we are not taking care. So this is my point today. Thank you. Thank you very much, Marta, and thank you for all of you four for the very personal and very deep first intervention. It was really very interesting to see how you're starting from your personal experience and going through a more general agenda, which is really the heart of research and of arts too. I think there were many things announced already. I would propose, since we have only 10 minutes left, that we could perhaps on the tables comment on some of the points, if you have the need and the desire to comment on certain points, and also perhaps give the voice to the public. So I would invite the public also to prepare some questions. Is there already something that would be important to be asked? So please, I don't know if you have a microphone. Yes. Thank you very much. Thank you. Can it be in French, if you don't mind? Yes, okay. In both sides, yeah. Okay. Thanks to the translators. Bon, bonjour, je m'appelle Florence Moll, je suis cofondatrice des Filles de la Photo avec Marion Islen et Chantal Ledjib, association que nous avons aussi co-présidée ensemble pendant 3 ans et demi, avant de transmettre cette belle association à Raphaël Berthaud et Sabrina Ponti. Juste pour que vous situiez la question, enfin, ce que je vais dire, j'ai aussi piloté l'Observatoire de la mixité femmes-hommes dans l'écosystème de la photographie, dont la seconde édition était ce lundi à Sciences Po. Et Vera Léon était notre invitée d'ailleurs pour la première restitution. Bonjour Vera. Et merci à Martha parce que vous avez aussi participé à envoyer notre questionnaire à vos élèves. Simplement, dans les messages très importants pour les écoles qui sont ressortis de l'étude et aussi des verbatims, on avait 599 répondants et beaucoup de prises de parole de femmes et d'hommes aussi. Mais ce qui est clair, c'est la confiance en soi, qui est un véritable sujet, qui fait défaut et qui est le premier pas vers le renoncement pour aller présenter son travail auprès d'un festival, auprès d'un prix, etc. Donc on s'est rendu compte que quand les femmes candidatent, elles candidatent beaucoup, elles sont plutôt présentes, mais il y en a qui se rendent invisibles parce qu'elles ne sont jamais assez. Bon, ça, je n'invente rien, mais il est vrai qu'il y a certainement dans les écoles quelque chose à développer, à moins que ce soit déjà le cas, sur la technique de présentation de son travail, se sentir à la sortie des écoles aussi solide dans sa manière de et dans le oser aller vers. Ça, c'est un point. Et puis le rapport à l'argent, parce que l'économie est essentielle pour que les femmes aussi prennent leur place, puisque sont non seulement moins sélectionnés, mais moins bien payés. C'est pas nouveau, c'est comme partout dans la société. Donc ce rapport à l'argent, il est aussi, à notre avis, à envisager extrêmement sérieusement au sein des écoles déjà. Comment, évidemment, s'estimer, estimer son travail, le valoriser, oser négocier, certainement à travers des workshops qui soient vraiment installés sur une longueur pour que les femmes sortent des écoles plus outillées, plus étayées et plus sûres d'elles. Voilà, donc pardon, ce n'est pas une question, mais c'était vous faire part de cette observation toute récente. Merci, c'était passionnant pour chacune d'entre vous. Merci infiniment pour ce prolongement et ce témoignage aussi. Je pense que Vera, tu souhaites réagir directement? Oui, je pensais réagir par rapport à ça, parce que du coup, les études que j'ai faites de carrière de femme, justement, en faisant des entretiens avec d'anciennes et anciens photographes aussi, hein, c'est l'étude travaillée à la fois sur des femmes et des hommes qui se destinaient au métier de la photographie. En fait, les travaux aussi des sociologues sur ces questions-là, je pense que c'est très important de l'identifier, effectivement, cette question de la confiance en soi. Simplement aussi de comprendre que la confiance en soi est un produit social, en fait, et que travailler sur la confiance en soi
c'est bien, mais travailler aussi sur qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas décrédibilisé. à l'inverse, c'est-à-dire que c'est une sorte d'équilibre, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut se travailler en tant que tel. Il y a un certain nombre de, il y a plein de workshops sur l'assertivité, etc. Mais en fait, effectivement, c'est vraiment un travail complémentaire, je pense, avec le fait de vraiment agir typiquement sur la discrimination, sur le harcèlement, parce que on n'a pas confiance en nous parce que les femmes ont moins confiance en elles, quoi. On a moins confiance, les femmes ont souvent moins confiance, et c'est pas que les femmes, c'est les personnes minorisées de manière générale. Donc ça peut être une personne qui un garçon par exemple victime d'inceste quand il est petit, ça peut être, donc c'est pas que les femmes, c'est quand on est victime d'un certain nombre d'expériences de minorisation sur le plan social, voilà, ça a des conséquences sur l'ensemble de sa vie et personnelle et professionnelle. Donc voilà, juste peut-être pour rappeler cette importance du soutien institutionnel vraiment massif et sans négociation en fait sur ces questions-là, de prendre au sérieux aussi ces questions de harcèlement, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages ? Oui. Oui, une réaction, on entend. Une réaction justement sur ces données chiffrées. C'est très intéressant parce que là, vous avez travaillé effectivement de 45 à 75. L'École nationale supérieure Louis Lumière n'était pas encore dans un système LMD. Elle y est passée donc en milieu des années 1990. Et là, l'école donc formait effectivement un BTS photographie, hein. Et on voit effectivement cette chute. Pour les personnes qui connaissent pas suffisamment, il y a deux écoles en France d'enseignement, enfin public d'enseignement supérieur dédié à la photographie, parce que il y a aussi les départements universitaires. Il y a effectivement l'École nationale de la photographie d'Arles, qui dépend du ministère de la Culture et qui est née donc en 82. On va fêter notre 40e anniversaire l'année prochaine. Voilà. Et bien, ça, c'est une belle. La France était le pays de la commémoration et on y tient, beaucoup. Oui, je me colle à ça. Et nous avons donc cette École nationale supérieure Louis Lumière qui est née donc par des industriels. C'est l'industrie qui l'a portée en 1926 et qui, elle, dépend du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, c'est-à-dire un autre ministère. Et ce qui serait très intéressant, on verra, c'est de faire finalement ce travail, de poursuivre ce travail à l'heure actuelle. Parce que d'après nos chiffres, nous, à l'heure actuelle, effectivement, c'est dans la spécialité photo où il y a le plus de jeunes femmes qui sont représentées, sauf exceptionnellement cette année où on a une inversion entre la spécialité son et la spécialité photographie. Mais historiquement, dans l'histoire contemporaine, c'est en photographie où nous avons le plus de femmes. Ce qui est assez. Et nous avons d'ailleurs, sur le plan du salariat global, nous sommes à parité, parce que c'est la question des enseignantes et de l'administration, nous sommes aussi à parité. Et ce qui serait intéressant, finalement, c'est d'intégrer à l'intérieur de ce groupe des écoles européennes, finalement, de réunir ces statistiques. Alors, à voir avec les états généraux, parce que, ou renvoyer vers les états généraux et les résultats des états généraux qui sont faits par l'association des filles de la photo. Peut-être aussi notre rôle, c'est de renvoyer, de faire mieux connaître, donner de la visibilité sur ces enquêtes effectivement actuelles. Martha qui... Oui, je voulais dire une chose, c'est que effectivement, moi j'ai constaté quand je suis arrivée à l'école qu'il y avait beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Et je me suis posé la question, comme la pandémie est tout de suite arrivée, on a dû faire le concours d'entrée en ligne. Et ça nous a aidé, imaginez-vous, ça nous a aidé à travailler un système de concours d'entrée qui était basé sur l'anonymat. En fait, les dossiers, ils arrivaient. On a 25 places par année et ils se sont présentés 380 personnes. Au fur et à mesure que les candidatures arrivaient, on donnait un numéro et les jurys, je changeais les jurys pour que le jury qui est composé par des enseignants en interne ne soit pas que les hommes, parce qu'en fait, les enseignants à l'école d'Arles, ils sont majoritairement des hommes. Et on a fait plusieurs jurys le plus paritaire possible, c'est-à-dire il y avait trois personnes avec deux femmes ou une femme.
J'ai pris la bibliothécaire, la directrice d'études, tout pour essayer que dans ces cellules de jury, pour la première sélection, ils choisissaient que de numéros en fonction du dossier qui était présenté. Dans le deuxième essai, deuxième preuve aussi, c'était en anonymat. C'est lors de l'entretien individuel, bien évidemment, qu'on voit si c'est un homme ou une femme, mais si c'est asiatique, latino-américaine, européenne ou africaine. Et ça a donné, ces dernières deux années, une parité incroyable. C'est toujours, on a eu 12 et 13, ou 13 et 12, voyez. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois où il y a plus, il y a un équilibre entre garçons et filles. Et avant, c'était plutôt beaucoup de filles, parce que ceux qui sélectionnaient étaient plutôt les enseignants hommes. Alors ça, c'est intéressant pour moi, parce que ça veut dire aussi qu'il faut créer des outils, des stratégies qui peuvent varier en fonction de contexte, mais qui donnent aussi la possibilité, pas seulement d'avoir un équilibre, et si c'est 10 et 15, peu importe, c'est aussi de donner l'opportunité à des étudiants d'origines diverses, pas seulement hommes-femmes, et pas seulement cette binarité qui me dérange un petit peu, c'est de donner la possibilité d'intégrer l'école. Oui, peut-être une dernière. J'ai le mauvais rôle en l'occurrence parce que le temps court. Juste une dernière question et une dernière remarque qui s'adresse à la fois à Martha Gilly et à Vera Léon. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit, Martha, sur cette idée de réfléchir de façon inconsciente. Quand vous parliez du jeu de paume, effectivement, c'est-à-dire de façon inconsciente et de façon naturelle aussi, assez problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne plus se poser la question qui est ce vers quoi on tend tous, aussi bien en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'école de photographie. Et donc, peut-être revenir sur cette question de... quelle est l'étape d'après, c'est-à-dire une fois la conscientisation acceptée de cette diversité, quel monde peut-on envisager? Et peut-être aussi sur cette question du commun et du collectif, à côté du rapport aux identités et la reconnaissance, la conscientisation de ces diversités d'identité. Peut-être, Vera, vous aviez évoqué la question du rapport économique qui sous-tend, à mon avis, aussi beaucoup de ces problématiques. Et est-ce que le levier économique n'est pas le levier le plus égalitaire, en fin de compte, pour prendre en considération ces diversités-là? Concrètement, le levier économique dans le sens... C'est-à-dire l'accès au plus grand nombre en faisant, au-delà des revendications possibles d'une diversité d'identité, finalement, est-ce que le vrai problème collectif et sociétal auquel on est confronté aujourd'hui, c'est pas celui de l'accessibilité économique à des études et à la culture, donc la question de la démocratisation culturelle aussi au sens large? Two quick answers, please. Je suis désolée de le dire, mais c'est une question politique, en fait. C'est une question, tout est politique, finalement, je ne découvre rien. Mais c'est une question politique, et je vais vous dire une chose. On est en France, quand vous allez d'autres pays européens, et je connais bien l'Espagne, comme vous pouvez apprécier par mes accents divers, la France et les étudiants en France sont gâtés, voyez. En Espagne, il n'y a pas des écoles nationales supérieures de la photographie, par exemple, et ça n'existe pas. Toutes les écoles que je connais, ils sont privées. Il y a des départements de photographie dans les universités, mais c'est pas exactement la même chose. Je ne dis pas si c'est mieux ou pire, mais je veux dire ça. À l'école d'Arles, les 50% des étudiants de master, peut-être les 45, ils sont des boursiers. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas les 432 euros qui coûtent par an la formation master.
J'étais avec mes collègues de la Royal National, de la Royal College, et ils étaient comme bah, 432 euros par an. Et en plus, il y a des bourses. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne payent rien. C'est-à-dire que là, je pense que les conditions pour une diversité, les conditions, je dirais, réglementaires, de politique, elles sont là. Après, il y a toute la question des préjugés. Et ça, c'est vraiment aussi politique parce que c'est une formation. Il y a beaucoup de préjugés. Je n'ai vécu au Jeu des Pommes, je n'ai vécu quand j'étais à la Cacha, je n'ai vécu là maintenant à Arles, des préjugés qui sont à propos de l'origine, mais à propos aussi de l'accent, à propos de genre, mais à propos de n'importe quoi, même des idées. Voilà, islamo-gauchiste, je ne sais pas quoi, etc. Alors tout ça fait que les amalgames sont très faciles à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités que la République donne aux étudiants pour étudier et aussi aux étudiants étrangers, bah, c'est à nous, hein, c'est à nous à bouger et à éliminer tous ces préjugés pour essayer de trouver des bonnes pratiques. Merci. Pardon, Béra. Béra. Non, pas de problème. Oui, peut-être nuancé dans le sens où il y a, voilà, depuis le gouvernement Macron, quand même un programme Bienvenue en France qui, justement, pour les étudiants étrangers, augmente très, très fortement les frais d'inscription. Donc, parler aussi de cette question de la discrimination par rapport à l'origine migratoire quand c'est hors Europe. Et qui, du coup, va justement diminuer encore une fois cette égalité des chances qui est déjà, on le sait, très mise à mal par le système tel qu'il existe. Mais je pense que c'est juste complémentaire de ce que vient de dire Martha. Et évidemment, oui, je pense qu'il y a quelque chose de... Je pense que c'est vraiment une exigence à garder en tête que... C'est pas pour rien en fait que la question des femmes, la question du genre ou la question de la race, c'est des questions qui sont visibles. Et la question de la classe, c'est une question qui est très difficile à représenter. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose, et notamment en photographie, qu'on peut aussi continuer à parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, qui pose une question, quoi, qui pose une question à comment est-ce qu'on représente notre société, qui peut représenter quoi, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est pour moi fondamental que les luttes en termes d'égalité et de justice sociale qui ont très longtemps invisibilisé effectivement les minorités de genre, les minorités de race, etc., soient aujourd'hui, les intègrent aujourd'hui. Mais il faut effectivement être aussi vigilant et vigilante à l'inverse que ces questions-là ne remplacent pas les questions de justice sociale. Et au contraire, elles sont vraiment tout à fait imbriquées, quoi. Voilà. Thank you very much. I will just finish a couple of words in English to close this discussion. Thanks a lot for everybody for these interventions. We have a second round table after a little break. And I think some of the questions at the end will have to be continued on the next round table. I think we are perfectly on the opening up in the geographic sense that we will discuss on the second round table. And Véronique? We have 7 minutes. 7 minutes late, so we can. Yes, you would propose. Yes, at 11:05. Thank you very much, and thank you. For the participants.
Je vous ai posé la question si c'était possible de faire une transcription.
Nous avons pris un très léger retard, mais dans la phase conclusive, je serai très brève. Donc, vous pourrez. Par contre, on a jusqu'à 13h30 maximum, grand maximum. Très vite, je remercie une nouvelle fois nos traducteurs parce que finalement, on n'insiste pas suffisamment sur ce métier et cette importance de la qualité de la traduction. Donc, je les cite. Je remercie donc Alexandra Biguignon, j'espère ne pas écorcher votre nom, et Yves Tixier, qui assure donc la traduction simultanée de cette matinée. Merci à vous et merci pour votre travail. Arthur Cristani qui va modérer cette seconde table ronde. Arthur Cristani est artiste, artiste photographe, est également un ancien étudiant de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Vous avez toute sa biographie effectivement dans le tiré à part. Arthur, présentez-vous réservez-vous quelques minutes, quelques secondes sur vos travaux qui sont déjà, malgré votre jeune âge, extrêmement significatifs. Et là, je regarde mes étudiants actuels de la deuxième année. Bonjour à toutes et à tous. Merci Véronique pour ce bref mot d'introduction. Merci également à Arnaud. Merci à vous deux en fait pour l'invitation à assurer la modération de cette deuxième table ronde. En quelques mots, je dois dire que le sujet de la diversité géographique et de la question de l'eurocentrisme m'importe puisque moi, je suis rentré dans la photographie par le biais de la photographie indienne et je pense que certaines de mes influences photographiques les plus importantes sont en l'occurrence des femmes photographes indiennes. Voilà, et puis dans le cadre de mon travail artistique, moi j'ai été diplômé de l'école Louis Lumière en 2017 et je travaille sur des sujets qui ont à voir avec la représentation de l'urbain et de l'architecture et de la relation entre les êtres humains et les espaces qu'ils habitent, qu'ils rêvent et qu'ils traversent. Assez parlé de moi, donc bienvenue à la deuxième table ronde, diversité géographique, la fin de l'eurocentrisme. C'est une table ronde qui sera conduite majoritairement en français, donc je remercie également nos traducteurs et traductrices pour la traduction vers l'anglais. La question de la diversité géographique dans l'enseignement de la photographie et dans l'enseignement plus largement en Europe se pose de façon avec acuité depuis plusieurs décennies aujourd'hui. L'intégration des politiques européennes d'enseignement inclut un versant lié à la circulation des étudiants, la circulation des équipes académiques, et il était amplement temps que l'enseignement de la photographie se penche sur ce sujet. Dans les dernières années, en fait, dans les universités, les réseaux éducatifs européens, la question de la diversité géographique s'est posée avec d'autant plus d'acuité au regard des différentes crises internationales qui secouent le continent. Et il est assez intéressant de voir comment, dans certains segments de l'enseignement supérieur, notamment même la crise des migrants devient un véritable sujet, c'est-à-dire comment accueillir d'autres étudiants avec des profils et des parcours éducatifs très différents de ceux qui sont habituellement connus en Europe. Également, la question de l'intégration européenne des anciens pays socialiste a posé à un autre moment et dans des termes différents la question de la diversité. Donc c'est à deux titres que nous allons essayer d'aborder la question de la diversité en regard de l'enseignement de la photographie. Une diversité intra-européenne dans les modalités de l'enseignement et la question de la circulation des étudiants, de la circulation des méthodes de travail. Enfin, c'est aussi une question de rapport au monde et une question esthétique qui nous importe, c'est-à-dire comment est-ce que cette diversité peut-elle informer ceux et celles qui deviendront les artistes photographes qui contribueront à la transformation des représentations du monde. Pour aborder ces questions extrêmement larges en assez peu de temps, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi un panel qui reflète une réelle diversité de profil professionnel et d'origine. À ma droite, Stéphanie Robin,
qui est administratrice de l'école du Frénois depuis 2007. Donc le Frénois, elle aura l'occasion de nous détailler plus avant le profil unique de cette école, mais le Frénois est une école qui dépend de l'enseignement du ministère de la Culture en France et qui est, depuis sa fondation à la fin des années 90, au cœur d'une politique, enfin qui mène une politique internationale très intéressante de premier plan. À ma gauche, Gilberto Guizarroras est un artiste photographe originaire de Colombie qui a été diplômé de la licence et du master en photographie de l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Et Gilberto conduit depuis plusieurs années un travail qui parle du travail, justement, de l'intégration par le travail, et un travail qui est assez ancré dans le territoire de la région parisienne. Vangelis Ioakimidis, à côté de Gilberto, est d'origine grecque. Il est lui également passé par Paris 8, donc on a encore un tropisme parisien autour de cette table. Vangelis est curateur, a été directeur d'institution, le centre photographique de Skopelos, le musée de la photographie de Thessalonique, et il a coordonné le programme européen Trans-Europe Photography Project, dont il nous parlera plus en détail. Il est également le cofondateur de la plateforme icecultures.com. And last but not least, Stepanka Simlova. I'm sorry about my pronunciation of your name, if I misspelled it. Stepanka is an artist and teacher at FAMU in Prague, Czech Republic. She started teaching in 2002 at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem. And in that regard, I think that your teaching career coincided with the European integration of your country. And she has been working at the Intermedia Studio at FAMU since 2009, sorry. Coordinating the English program, leading the master's project that prepares students for connecting science and art research with their own authorial work. You used to be the head of the Department of FAMU for a couple of years between 2013 and 2015. Cette table ronde procédera de façon un peu différente de la précédente, dans le sens où on travaillera selon deux axes avec deux tours de parole, avec à chaque fois une série de questions pour nos intervenants. Stepanka ayant confirmé sa présence très tard, donc nous sommes très heureux de l'avoir, néanmoins, nous avons moins pu conduire le travail préparatif. Et elle sera ainsi invitée à réagir en amont de la discussion qui conclura la table ronde et la matinée au regard de sa propre expérience tchèque. Alors, le premier axe de la discussion sera la diversité géographique. En quoi relève-t-elle d'une politique d'enseignement européenne? Et à ce titre, j'aimerais d'abord donner la parole à Vangelis. Vangelis, d'après, au regard de votre parcours et de votre expérience en tant que curateur et directeur, au regard des projets que vous avez conduits dans différents États européens et à un niveau disons, inter-européen, international. Quelle est votre appréciation de la diversité géographique en tant qu'enjeu dans l'enseignement de la photographie en Europe, mais également pour les parcours des jeunes photographes que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans les lectures de portfolios nombreuses que vous conduisez ou alors dans votre activité de commissaire d'exposition? Et dans une deuxième question, comment évaluez-vous les impacts de la crise économique que traverse le continent depuis la fin de la première décennie 2000, les impacts de cette crise économique au regard de l'enseignement de la photographie? En quoi peut-elle fragiliser la circulation des artistes et et révèle-t-elle des fractures intra-européennes? Vangelis, vous avez la difficile tâche d'ouvrir le bal, mais je suis sûr que vous ferez ça avec brio.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation aux organisateurs. Merci beaucoup à Arnaud Kissinger et merci beaucoup à Arthur de pouvoir coordonner cette table ronde dans un délai très bref. Évidemment, je ne vais pas répondre à toutes ces questions parce qu'elles sont tellement vastes qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. Et alors, concernant un peu la question de la diversité géographique, je dois faire quelques constats. Mis à part donc les grands pays, donc qui est la France, un peu la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sur les autres pays qui sont d'une taille de la population moindre, ce que j'ai constaté, c'est que assez souvent, tous les artistes auteurs qui voulaient faire leur carrière dans la photographie créative ont assez souvent été soit obligés, soit par leur propre volonté, d'aller vivre ailleurs. Ça, c'est un constat, c'est une banalité, mais je dois quand même vous le dire, c'est que toute personne qui était intéressé d'aller beaucoup plus loin, il fallait qu'il voyage, il fallait qu'il aille ailleurs. Je ne vais pas... c'est pas un jugement, si vous voulez, par rapport aux autres pays. Ça, c'est donc un premier constat important. Et un deuxième constat, malgré que le fait que la photographie, c'était un langage universel, il y avait toujours un problème linguistique. Donc, assez souvent, donc, l'histoire de la circulation, ça a un rapport avec l'utilisation de la langue. Voilà. Alors, concernant maintenant ce qu'on appelle un peu Michel Poivert avait dit une belle phrase, la génération Erasmus, concernant ces programmes européens qui a permis beaucoup de gens d'aller voyager et étudier, ça c'était quelque chose fondamental, important, qui a aidé cette notion de pluralité et d'aller voir un tout petit peu ailleurs. Effectivement, il y a différentes vitesses, il y a différentes zones géographiques. On disait en photographie, même je ne suis pas très âgé, mais bon, je commence à avoir l'âge, on disait avant qu'on prenait la carte de l'Europe, on tirait une ligne, et la ligne, c'était Zurich. Tout ce qui était en dessous de Zurich, donc c'était quelque chose d'important, intéressant, connu, diffusé, et tout ce qui était en bas de Zurich, ça n'existait pas. On disait ça avec... je me rappelle à l'époque, quand Sam Strudze travaillait avec Pons, qui faisait un guide photographique à Paris, on évoquait cette question-là. Comment les gens qui sont en bas de Zurich peuvent circuler leurs images, leurs travaux, leur carrière professionnelle. Et la solution n'était pas autre chose que d'aller travailler avec une galerie parisienne, berlinoise, londonienne, etc. Tout ça, bien sûr, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, a beaucoup évolué. Il y a effectivement une ouverture des écoles, il y a une ouverture aussi des questions, mais il y a aussi un esprit du photographe lui-même d'aller voir ailleurs. En première partie, un tout petit peu, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais j'ai ouvert à d'autres. En finissant un peu ma première intervention, pour ne pas oublier, parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps, j'ai vu que la notion de diversité, par exemple, aux missions photographiques, ça n'a rien à voir avec votre question, mais j'aimerais bien quand même le dire, c'est que j'ai constaté que dans les années 80-90, les missions photographiques étaient dirigées par deux hommes, donc la data arrêtée par Bernard Latarger et François Hers. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'an 2020, on aura deux femmes. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Et Fanny Ascoulen et Eloïse connaissent ça. Mais ça, c'est déjà un premier constat de diversité. Deuxième point de vue un peu très rapide, sur les intervenants ici, il y a quand même une majorité de femmes. Ça, c'est aussi c'est très intéressant. Voilà une première esquisse très, très rapide, mais je vais y revenir.
Et un point auquel vous n'avez pas répondu, enfin, le rapport entre l'économique et l'enseignement de la photographie, en quoi est-ce que ça peut fragiliser ces échanges? Et effectivement, donc, tout à l'heure, Martha Gili a évoqué cette question, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'était fondamental. C'est vrai que l'économie pour les par exemple, je prends un exemple concret à Trans-Europe Photo, tous les pays de l'Est avaient beaucoup de mal, disons, soit les étudiants, soit les photographes émergents, etc., avaient beaucoup de mal à participer, à donner le 20 euros pour un preparatory workshop, ou donner 100 euros qui est un portfolio review. Normalement, ça coûte 300 ou 400 euros. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de difficultés au démarrage de leur carrière, d'investir cette somme-là, malgré que le fait qu'ils étaient prêts à investir énormément d'argent pour leur matériel technique, sans soucier de l'économie. C'est sûr que l'économie joue un rôle important. C'est sûr que la crise a stoppé un certain développement. Ceci étant dit, l'avancée technologique de l'Internet et de la communication européenne via des webinaires, via des transmissions en direct, etc., ça a donné un énorme sens à tous les gens dans une petite ville, dans un petit village, de suivre un peu des événements, qui est cette opportunité. On ne l'avait pas dans les années 80 ou 90, ou même 2000. Donc, du coup, c'est vrai que la crise, d'un côté, était un facteur de pénalisation, mais de l'autre côté, ça obligeait soit les structures de diffusion, soit les structures éducatives, de diffuser le maximum d'éléments. Donc, du coup, tout d'un coup, un étudiant ou quelqu'un qui démarrait la photographie pouvait avoir accès. Très bien. Merci, Vangelis, pour cette réponse. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Robin. Stéphanie, pouvez-vous nous présenter brièvement la place de la photographie au sein de l'école du Frénois, parce que cette école assez atypique est tournée vers une diversité de pratiques. Donc, en quoi est-elle également une école de photographie? Et puis, bien entendu, pouvez-vous nous présenter la philosophie et le projet de l'école en matière de politique internationale, de diversité géographique? En quoi est-elle un objectif de l'enseignement? Comment évaluez-vous vos besoins, votre politique? Et comment cet enjeu international informe-t-il la pédagogie? Merci, Arthur. Je vais revenir rapidement sur ce qu'est le Frénois avant de vous parler de la photographie au sein du Frénois. C'est une école qui propose un cursus post-diplôme, donc qui est accessible après un master ou également après 7 années d'expérience artistique professionnelle. Et sur ce deuxième point, on y tient beaucoup parce que ça nous permet aussi d'intégrer dans l'école des profils un petit peu différents d'artistes qui auraient un parcours plus autodidacte. Le projet pédagogique repose sur quelques fondamentaux. Tout d'abord, le croisement des disciplines. Et donc, c'est là où la place de la photographie a peut-être un rôle un peu spécifique au sein du Frénois. La production d'œuvres en grandeur réelle avec l'accès à des moyens de production professionnels. Donc là, on voit le laboratoire photographique du Frénois. Et également, l'absence de corps enseignant permanent, puisqu'on recrute chaque année 6 artistes professeurs invités qui sont renouvelés donc annuellement. Et on les choisit là aussi dans une perspective internationale, mais aussi en tenant compte d'un équilibre dans les disciplines, les genres et aussi les générations. Au niveau de la photographie, donc, elle est très présente. Elle fait vraiment partie des médiums que les étudiants sont invités à explorer. Le parcours de l'étudiant se déroule sur 2 années, sauf pour un certain nombre d'étudiants qui s'engagent dans un cursus doctoral, mais qui sont assez peu nombreux. Et donc, sur ces 2 années, l'articulation en fait, se fait sur les outils et les langages. La première année est plutôt consacrée au langage de la modernité, le cinéma, la photographie, la création sonore et musicale, ainsi que la vidéo. La deuxième année, pouvant retrouver tous ces médiums-là, mais dans une dimension
donc de création numérique et d'utilisation de technologies émergentes. On a toujours eu d'excellents photographes comme artistes invités. Là, on voit donc Valérie Jouve, mais on a eu également Joanne Foncouberta, Éric Poitevin, Gao Bo. Mais on a également des cinéastes. Donc là, on voit Alain Guiraudy. Et puis, bon, des artistes invités de toutes les disciplines qui vont explorer aussi la photographie pour la première fois dans leur parcours. Donc vraiment, la photographie, elle est au cœur du projet, mais elle est en relation avec les autres écritures et les autres médiums, tout comme le cinéma qui est produit au Frénois est aussi un cinéma qui a un accent des autres disciplines. Sur la question internationale, je dirais que ça n'est pas réellement une politique, mais c'est plutôt l'identité de l'école depuis l'origine. Les premiers artistes invités qui ont donc inauguré le programme en 1997 étaient Raoul Ruiz, Anna Teresa de Kersmaker, Sarkis et Michael Snow. Donc vous voyez qu'on était tout de suite dans cette dimension très internationale au niveau des enseignants. Et le recrutement des étudiants a depuis toujours été un recrutement international avec aucun quota en fait. Donc on a une quarantaine de nationalités représentées au concours et les étudiants qui sont choisis sont les 24 meilleurs étudiants qui postulent. Et en général, sans qu'il y ait de quotas, ça se répartit à peu près 50% d'étudiants français et 50% d'étudiants qui viennent d'autres pays dans le monde. Je me suis posé la question en préparant la table ronde sur la raison qui amenait autant d'étudiants internationaux à postuler au Frénois. Alors bon, la première réponse qu'ils nous font souvent, c'est qu'ils ne trouvent pas l'équivalent de cette école dans leur pays d'origine. Il y a également cette dimension donc, d'interdisciplinarité, évidemment, et cette capacité de production très, très forte, puisqu'on a vraiment l'accès à des moyens de production et aussi à un budget de production au sein du Frénois. Et également, je pense, aujourd'hui, un réseau d'anciens étudiants très, très développé. Et on le voit dans les candidatures qu'on reçoit aujourd'hui, dans les dossiers, souvent dans les références artistiques qu'ils nous donnent. Évidemment, il y a sorte d'artistes extrêmement éminents, mais aussi d'anciens étudiants du Frénois. Et donc voilà, on a un réseau qui s'est constitué au fil du temps et un réseau aussi de diffusion. Donc là, ça rejoint un peu le questionnement de la première table ronde sur comment aussi accompagner les étudiants quand ils sortent de l'école. C'est une dimension qui est vraiment intégrée au cursus du Frénois, c'est-à-dire que les œuvres qui sont produites, donc chaque année une œuvre est réalisée, donc les artistes réalisent deux œuvres pendant leur cursus. Elles sont accompagnées en diffusion, et donc ça sur un réseau aussi également international. Et on a une personne dans l'équipe qui est en charge de ce travail. Je m'arrête là pour la première partie. Il y a un point, j'ai une nouvelle question. C'est, vous m'avez dit, quand on préparait la table ronde, que vous avez également des programmes mis en œuvre pour favoriser la diversité. Non seulement sur le plan international, mais aussi au regard de votre implantation dans la région des Hauts-de-France. Tout à fait. Donc, si on n'a pas de quotas au niveau des nationalités, on a par contre une forte demande, et on a à cœur de remplir cet objectif, d'intégrer des étudiants qui sont issus de la région dans laquelle nous sommes implantés, qui est la région des Hauts-de-France. Donc, le Frénois est situé à Tourcoing. Et pour cela, on a mis en place un programme avec les écoles d'art de la région. Donc elles sont, maintenant la région s'est agrandie, elles sont au nombre de 4, qui permet aux étudiants au sein de l'école d'art de Dunkerque-Tourcoing d'accéder à une filière propédeutique qui s'appelle Art Image. Et les étudiants de cette filière ont d'abord des cours délocalisés au sein du Frénois, enfin s'approprient un petit peu l'institution. Et également, dans le cadre de leur quatrième année, ont la possibilité vraiment de suivre une année au sein du Frénois, donc d'abord assister à toutes les activités collectives qui sont proposées à nos étudiants, et puis accompagner un ou deux jeunes artistes du Frénois dans leur production. Ce bain finalement dans la structure les prépare très très bien à candidater. On a très bons résultats lorsqu'ils candidatent au concours. Et dans les autres actions un petit peu volontaristes que l'on mène, là, plutôt dans une perspective internationale, c'est vrai que je n'ai pas mentionné que dans le constat qu'on a fait sur les candidatures que nous avons, il y avait un grand absent qui est l'Afrique, le continent africain, si ce n'est l'Afrique du Nord, où on a toujours eu beaucoup de candidatures intéressantes.
Et donc, on a pu mener au fil des ans un certain nombre d'actions vraiment en direction de certains pays de ce continent, pour essayer d'encourager des candidatures et ces candidatures accompagnées la plupart du temps d'un programme de bourse pour permettre aux étudiants qui seraient sélectionnés d'avoir des conditions donc de vie en France qui soient convenables. Voilà. Merci Stéphanie. On reviendra ensuite plus en détail dans le second point pour approfondir ces questions. Maintenant, je me tourne vers Gilberto. Gilberto, pouvez-vous nous présenter le cheminement qui vous a conduit jusqu'à faire vos études à l'Université Paris 8, en France déjà, à Saint-Denis ensuite, la spécificité de cette université au regard de l'accueil d'étudiants étrangers et extra-communautaires dans votre cas, pour vous qui êtes originaire de Colombie. En quoi cette université a-t-elle retenu votre attention et en quoi l'enseignement au sein de Paris 8 intègre-t-il, enfin, quel est le rapport à l'enseignement entre étudiants français, européens, extra-communautaires? Quelles sont les vertus de cette dimension internationale, mais quelles sont aussi les problématiques spécifiques liées au statut, à la situation des étudiants extra-communautaires que vous avez pu rencontrer. Problématiques administratives, mais également sociales et puis pédagogiques. Je vais montrer votre travail pendant que vous... Merci déjà pour l'invitation. C'est super cool d'être ici. Et bon, mon parcours, en fait, j'ai rebondi un peu à ce qui était dit. Nous, j'ai l'impression que chez moi, on veut toujours aller ailleurs, en fait. Ailleurs, c'est toujours mieux. C'est là où il faut y aller, c'est les pays développés, c'est là où ça se passe, en fait. À mon époque, en fait, moi, je suis ingénieur industriel, en management d'entreprise, à la base. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Nestlé dans les marketing, et bon, évidemment, ça ne m'est pas plu. Et j'ai fait ça aussi, des études de photos les soirs pour les adultes et tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'aime pas mon travail, j'aime pas le monde de l'entreprise, du bureau. Et il faut que je parte voir le monde. Qu'est-ce que c'est, ce monde que tout le monde dit que c'est magnifique? Parce qu'ici, ça va, mais c'est pas toujours aussi bien. Et donc, je voulais faire des études d'art, en fait, et des photos. Je voulais vraiment être dans la photo. La photo, c'était un peu un choix. J'aimais bien la photo et en plus, je suis jamais fait rien avec mes mains. Donc, je n'ai pas d'extérité manuelle, tout ça. Et la photo, ça me plaisait beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Du coup, la question de la France, c'est dans l'imaginaire. Bon, dans mon imaginaire, c'était un pays vraiment qui était moteur de la culture. Parce que les soft power, ça marche très bien, en fait. On pense en France, on pense à culture, on pense à des choses magnifiques, quoi. Et je ne voulais pas un pays où on parlait ma langue. Je ne voulais pas l'Espagne, par exemple, parce qu'il y a aussi un passé colonial qui m'a dérangé un peu. Et je ne voulais pas non plus... Je n'avais pas les moyens pour payer des études très chères. Et donc, la France, ça vient assez rapidement, je trouve, et pour nous, malgré les barrières de la langue, une destination assez intéressante. Et la France ouvre beaucoup, ouvrait à l'époque beaucoup pour que les étudiants étrangers viennent faire des études ici. Et comme Vera l'a dit, c'est plus trop le cas avec les portes qui s'ouvrent avec les gouvernements actuels, dès la possibilité qu'on paye 10 fois plus, je pense. Oui, plusieurs fois plus que les étudiants et français et européens. Mais voilà, donc c'était un peu ce parcours. Donc, je me suis mis à la tâche de chercher un master photographie parce que chez moi, il n'y a pas trop l'idée d'une école d'art. En fait, ça n'existe pas trop, en fait, mon université. Et on a le droit, on a la médecine, l'ingénieur, art, musique, on a tout. Et donc, j'imaginais une université et pour faire des études. Et en cherchant, je ne trouvais pas forcément beaucoup des options. Après, il faut savoir que j'ai trouvé pas mal des écoles privées et en anglais à 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros. C'est juste délirant quand on connaît la qualité de l'éducation ici. Mais bon, c'était un peu ce parcours-là et c'était un peu difficile, ces recherches, parce que, à l'époque,
Paris 8, les départements photo, je ne sais pas, c'était assez discret, en fait. Les informations, ce n'était pas très clair. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de très mis en avant pour qu'on trouve bien ces informations, mais bon, j'ai persévéré. Et bon, mon parcours, c'était bon, j'ai fait un sort de rétro-planning académique en me disant, bon, je vais faire ces masters en photographie contemporaine. Avant, il me faut faire une licence en art plastique. Et avant, il faut que j'apprenne le français. Donc, c'était un peu mon parcours des vies, quoi. Et je suis venu ici en tant qu'étudiant des français. Ça m'a mis un an et quelques. Et bon, après, j'ai continué avec les études. Et donc, Paris 8, en fait, j'ai tout fait à Paris 8. Donc, je suis un produit Paris 8. Et donc, il faut, disons que j'aime bien mettre en contexte un peu et l'histoire des Paris 8 est un peu une logique, on peut dire, humaniste d'enseignement. Et aussi une question qui, pour moi, ce n'est pas anodin, c'est la question des moyens. Donc, je sais qu'il y a des écoles qui ont beaucoup de moyens, que c'est vraiment des machines de production. Paris 8, je trouve que ce n'est pas trop le cas. Mais en fait, ça fait vraiment qu'on a des enseignants qui sont hyper engagés, qui nous accompagnent et qui sont là. Et je pense que nous, on est vraiment sensibles à cette question-là, avec tous les gens que je parle, on est sensibles à ça, à cet engagement de la part des enseignants, aux difficultés. Donc, ça fait aussi une logique des productions et de la pensée, mais aussi une logique des productions des images, quoi. Et donc, de la part des, comme je disais, c'est pensée un peu humaniste de Paris 8 à cause de son histoire, grâce à son histoire, j'ai jamais pensé à quelque chose de discriminatoire par rapport aux origines. En fait, il y a, selon ce que j'ai crois comprendre, il y a au moins 30% des étudiants qui sont extra-communautaires, et au moins de ces 30%, au moins la moitié vient de l'Amérique latine. Donc, on a quand même un bon groupe de latino-américains. On vient tous un peu dans cette même logique il faut faire des études ailleurs avec des parcours très différents. Et donc, on est là. Et voilà. Mais je pense que il faudrait voir comment ce type d'enseignement, d'université, ces parcours en particulier, il peut avoir plus de moyens parce que ça tient vraiment avec la volonté et l'engagement des enseignants. Et c'est pas... Bon, ça tient pas. S'il y a quelqu'un qui parle, ça peut mettre tout en difficulté. Et par rapport à au côté administratif et tout ça, en fait, moi, je considère que, bon, de mon point de vue, bon, je viens de l'Amérique latine, je vous ai dit, je voulais un pays qui soit plus ou moins neutre par rapport à l'histoire de la Colombie. Je sais que ça, c'est des questions géopolitiques et d'histoire coloniale et tout ça. Nous, je pense que les latino-américains, on n'a pas le même ressenti que des gens qui viennent des pays qui ont une histoire coloniale avec la France. Moi, je ne me suis senti jamais discriminé et par rapport à mes origines, en dehors des blagues de la Colombie et la drogue et tout ça que je ne supporte plus. Mais bon, en dehors de ça, ça va. Je pense que c'est plus quelque chose de... Ça donne plus une sorte d'aura. Donc, c'est quelque chose de... Ah, c'est un pays, c'est comment ça se passe là-bas. Donc, j'ai l'impression que ça m'a plutôt favorisé, de mon point de vue. Mais c'est bon, après, c'est à cause de cette histoire aussi. Et tout à l'heure, Vera aussi parlait du capital culturel et comment ça se passe, cette insertion. C'est évident que moi, je ne suis pas représentatif des classes populaires de la Colombie. En fait, pour qu'on arrive ici, on a dû faire soit des études dans une autre chose. Et même si l'université, ça reste pas cher, il faut quand même pouvoir venir, il faut quand même pouvoir se dire qu'on a les moyens. Quand je suis venu, il fallait que je montre que j'avais 8000 euros dans mon compte pour pouvoir prendre les visas. Donc, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc, c'est pas tout le monde qui vient ici, c'est pas les classes populaires, c'est pas... Donc, il faut quand même ce capital culturel de base ou quelque chose qui est... On n'est pas forcément riche, mais il y a quand même un sort de standing, entre guillemets. Et c'est cette question de monter les prix des universités publiques pour les extra-communautaires. Moi, ça me pose vraiment la question de qui seront cette personne-là, qui ce serait encore plus des gens plus privilégiés. Parce que moi, j'ai fait un petit boulot, j'ai gagné 600 euros par mois et j'ai réussi à vivre. Mais si je dois payer 3000 euros par an à l'université, c'est mort, quoi. Donc voilà,
C'est un peu... Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ou pas. Si. Merci Gilberto. Okay. Maintenant, pour notre second tour, je me retourne vers vous, Stéphanie. J'aimerais qu'on discute plus généralement de la question des échelles, puisque est-ce qu'on peut appréhender la politique éducative au niveau européen, au niveau régional ou à un niveau, disons, transfrontalier. À cet égard, Stéphanie, dans quelles échelles géographiques le Frénois s'inscrit-il? Dans quelle mesure son ancrage géographique, on a un peu parlé de la question du recrutement, mais son ancrage géographique dans le Nord contribue-t-il à l'identité de l'école et influence-t-il les projets qui sont conduits par l'école? Cet ancrage est-il un atout ou un handicap pour une école d'art comme le Frénois par rapport à Paris? Et l'échelle européenne est-elle pertinente pour appréhender votre politique? Quels sont les projets portés au niveau européen? Quelles sont enfin les problématiques soulevées par la dimension internationale de l'école? Merci. Je vais revenir sur... Vaste sujet. Oui. Alors, pour reparler de l'implantation du Frénois à Tourcoing, dans les Hauts-de-France, c'est vrai que ça a marqué complètement l'histoire de ce lieu. C'est un projet du ministère de la Culture qui souhaitait implanter une école orientée vers les arts numériques dans cette région-là, parce que c'était une région qui avait pas mal souffert au niveau industriel. Et aussi, je pense, à l'époque, à la fin des années 80, quand le projet a commencé à se dessiner, parce que c'était une région aussi qui était un petit peu en crise au niveau des enseignements artistiques. Enfin, voilà, il y avait un contexte. La région des Hauts-de-France a été tout de suite le partenaire privilégié de cette implantation. Et donc aujourd'hui, le lieu est cofinancé par le ministère et la région des Hauts-de-France, vraiment à part égale, avec une participation de la ville de Tourcoing. Donc ça a tout de suite marqué quand même ce qu'allait être ce lieu. Et je dirais aussi son projet, parce que donc, c'est une école, avant tout une école, mais c'est aussi un centre d'art. Et la politique de diffusion au sein du Frénois est très marquée. On organise deux expositions par an, dont l'exposition des productions du Frénois qui s'appelle Panorama. Et on a également deux salles de cinéma art et essai qui accueillent un public nombreux tout au long de l'année. Donc voilà, et l'articulation avec le projet pédagogique se fait tout à fait naturellement, puisque les jeunes artistes qui sont présents au Frénois sont impliqués dans les activités de diffusion du Frénois, donc que ça soit par leur implication sur des projets en lien avec différents types de publics, mais aussi dans la programmation des expositions, dans la programmation du cinéma, etc. Au niveau de la dimension transfrontalière, évidemment, donc on est vraiment situé à la frontière avec la Belgique, on n'est pas très loin du Royaume-Uni. Notre territoire de coopération transfrontalière, il est plutôt vers l'Europe du Nord que vers le Royaume-Uni, malheureusement. Alors ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt avec la Belgique et les Pays-Bas qu'on collabore très régulièrement. Et dans ce cadre, on a mené un certain nombre de projets de coopération transfrontalière sur des dispositifs de type Interreg. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces dispositifs, mais qui permettent vraiment de mener sur plusieurs années des projets structurants avec un certain nombre de partenaires. À chaque fois, on a développé des projets qui vraiment étaient plutôt orientés sur la recherche et le lien aux technologies. Donc vraiment des projets qui mêlaient d'autres établissements d'enseignement supérieur, des universités, des centres de recherche et le secteur économique. Et sur ces projets, les étudiants donc, étaient impliqués au titre de leur production. On n'est pas tellement concerné par Erasmus du fait de la spécificité de notre programme, puisque comme les étudiants sont en production chaque année pour un projet donc, qu'ils écrivent et qu'ils déploient dans différents types de zones géographiques d'ailleurs, enfin, ça peut être vraiment en fonction de leur projet, soit localement, soit dans n'importe quel autre pays du monde. Imaginer des échanges d'étudiants, c'est très difficile. Et donc, comme je le disais, on n'a pas d'enseignants permanents. Donc là aussi, les échanges d'enseignants, ça ne se fait pas non plus. Donc on n'est pas du tout sur ce type de dispositif. Mais on a également aussi pas mal exploré les dispositifs d'Europe créative, là, donc plutôt dans le cadre de la programmation des expositions, avec un certain nombre de partenariats internationaux, donc au-delà de la zone transfrontalière à l'échelle européenne. Donc je dirais que l'Europe reste quand même un territoire privilégié de coopération. Je,
J'avais une petite chose à dire par ailleurs sur les enjeux aussi internationaux du point de vue de ce que les étudiants font à la sortie du Frénois. Tout d'abord, on se rend compte que pour la plupart, ils gardent des liens très importants. Pour ceux qui venaient en fait de l'étranger, ils gardent des liens très forts avec la France, soit qu'ils s'y implantent vraiment définitivement, soit qu'ils fassent des allers-retours entre leur pays d'origine et puis l'Europe ou la France. Et pour nous, c'est aussi une richesse, et pour les étudiants qui rentrent aussi au sein du Frénois, c'est une richesse vraiment colossale parce qu'on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'on a une espèce de base comme ça, un peu informelle, mais qui existe un peu partout dans le monde. Et dès qu'on a besoin pour un projet d'accéder à tel ou tel type de compétences ou tel type de partenariat, c'est assez facile donc, par l'intermédiaire de nos anciens étudiants, donc, d'avoir des conseils ou en tout cas d'être mis en relation. Donc ça, je trouve ça très riche et ça illustre bien aussi ce réseau qui s'est formé au fil du temps. On peut souligner également que les projets que développent les étudiants, puisqu'ils créent deux œuvres au cours de leur passage au Frénois, ne sont pas limités à l'aire géographique du Frénois, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Et dans la production et dans leur diffusion, en fait. Oui. Donc, ils ont vraiment toute liberté dans la conception de leur projet, de concevoir un projet qui se passe parfois dans leur pays d'origine, parce qu'ils sont arrivés avec quelque chose aussi qu'ils portaient. Enfin, voilà, ils sont tout à fait libres. Et donc, comme je le disais, on montre une première fois l'ensemble des travaux au sein du Frénois, donc dans une manifestation qui s'appelle Panorama, donc qui a lieu chaque année. Et puis ensuite, ces œuvres, elles ont vocation à être diffusées au niveau international. Donc, quand ce sont des films, là, il y a un réseau de distribution de films au sein de festivals qui est très, très construit. Donc, ça marche très bien. Après, quand ce sont des photographies, des installations, des œuvres dans le champ des arts numériques, c'est plus complexe parce que ça nécessite aussi des coûts de diffusion de ces œuvres, mais c'est aussi tout à fait... Enfin, voilà, c'est un réseau qui est aussi très actif. Merci Stéphanie. Vangelis, je vais vous redonner la parole. Alors, moi, j'aimerais à présent que vous nous présentiez un projet dont vous êtes un des principaux responsables au titre de l'Europe du Sud-Est. Il s'agit du Trans-Europe Photography Project. Pouvez-vous nous présenter cette initiative ? Quel était le constat de départ ? Quels moyens mis en œuvre ? Quels résultats et quelles perspectives est-ce que ce projet ouvre au regard des enjeux donc de la circulation des photographes, mais également de l'accompagnement d'artistes émergents dans une forme d'enseignement après le diplôme ou après les études? Très bien. Tout à l'heure, on a parlé un peu d'économie. Pendant donc que j'ai pris mes fonctions en tant que directeur du musée de la photographie de Thessalonique en Grèce, j'ai essayé, mis à part les activités d'exposition, de programmes éducatifs, de médiation culturelle, etc., j'ai essayé un tout petit peu de trouver des solutions justement pour les photographes, soit qui démarrent, soit qui sont isolés sur le plan géographique. Et je me suis adressé à une bonne amie, donc Claude Boussac, qui dirigeait donc le Festival de photographie Photo Hispana, et mon homologue Elina Heika, au Musée de la photographie de Helsinki, le Finnish Museum of Photography. Et à l'époque, j'ai approché Claude Boussac, je lui ai dit, écoutez, vous avez un super programme qui s'adresse à l'Amérique latine avec le nom Transatlantica. Et pourquoi on n'essaye pas de faire dans ma région, donc la région un peu le sud-est, le Balkan, etc., et un programme un peu similaire. Il m'a dit, Vangelis, je t'aime beaucoup, t'es bien gentil, mais chez toi, la langue espagnole, nada. Donc du coup, il m'a dit, il faudra qu'on essaye un peu de trouver des moyens européens. Donc, on s'est mis donc à trois et on a fait deux fois, on a postulé deux fois pendant que j'étais directeur du musée de la photographie, mais ça n'a pas réussi à l'Union européenne. Mais la troisième, une fois que je suis parti, bizarrement, avec une association à but non lucratif, on a été éligible. Alors, le Trans-Europe Photo a été initié pour réunir des artistes de toute l'Europe qui utilisent le médium photographique. Le constat initial, c'était que le photographe, qui est producteur lui-même de son travail, a besoin d'avoir de connexions.
Contrairement au spectacle vivant, ou au cinéma, ou à la musique, où tu es obligé, comment dirais-je, de travailler à plusieurs, tu es obligé de passer par tes réseaux, etc. En photographie, il existe les festivals, il existe quelques portfolio reviews, mais ce n'est pas évident. Donc, du coup, on a essayé de répondre à ces besoins. Et surtout, donc, de faire une association de trois pays qui se trouvent au bord de l'Europe, donc aux frontières. Et chacun, donc, on a pris, c'était l'Espagne, la Finlande et la Grèce. Et on était tous au bord de l'Europe. Et l'idée, donc, c'est de développer des activités sur les régions voisines. Donc, du coup, on a coupé l'Europe en trois morceaux, surtout le bord et non pas au centre. L'idée, c'est peut-être... quand on fera un deuxième, si on arrive à faire un deuxième Trans-Europe, d'attaquer aussi au centre de l'Europe. Donc, c'était des programmes d'activités, de formation, d'événements, expositions, dans le cadre donc du programme Creative Europe, projet de coopération, de l'EASA. À l'époque, le financement venait à 60% de l'EASA et 40%, il fallait trouver des ressources propres. Je vous rassure, l'Union européenne a corrigé un peu et sur la partie 2021-2027, la proportion maintenant, c'est 80% subvention et 20% des recettes propres. C'est vrai, c'était très difficile. C'était un petit projet, mais qui a duré quand même 28 mois. Et les objectifs, donc, étaient atteints grâce au soutien de nouvelles organisations internationales, institutions, tout au long de ces étapes, créant une communauté, d'une part, c'était une communauté de photographes. On avait 250 photographes. On a fait des calls, on a fait des annonces, etc. S'ils veulent participer à ce programme. Et des experts. Donc, on a constitué une communauté de 250 photographes et on a constitué une communauté de 66 experts qui étaient de différents genres pour échanger justement des idées, créer des réseaux et se rencontrer et partager leurs différentes approches du médium. L'ensemble du projet donc est documenté sur un site de web. On a fait un site de web Trans-Europe EU qui fonctionne également comme base de données pour plus de 350 auteurs et experts qui ont participé à une certaine étape de ce projet. Donc, on a aussi édité une revue catalogue qui est éditée par La Fabrica à 4000 exemplaires. Et cette publication qui fournit l'empreinte physique du projet comprend les sélections des œuvres des artistes qui ont participé aux revues des portfolios. Dans l'ensemble, donc, le programme a réuni artistes, experts qui se sont connectés grâce à l'utilisation de l'image surpassant frontières. La question des frontières et d'échelle est importante. Dans la mesure du possible, et à ces propos-là, on a trouvé une idée intéressante, c'est qu'on a illustré d'ailleurs le catalogue en mettant à la première page l'ode de joie de Schiller, donc le célèbre poème qui a été adopté par Beethoven. Donc Schiller a écrit ça en 1785 et ça a été adopté par Beethoven pour faire la 9e symphonie en 1824, qui a été reconnue comme l'hymne de l'Union européenne en 1985. Donc, on a trouvé une astuce, si vous voulez, pour illustrer un petit peu le chapitre de photographes choisis. Donc, sur les 250 photographes, on a choisi 31 portfolios. On a mis en bold un peu, si vous voulez, les axes, les différents chapitres de la sélection. C'était une meilleure façon pour voir les œuvres qu'à travers la langue de la poésie et en outre à travers le symbolisme qu'ils portent. À cette fin, donc, on a mis des versets spécifiques qui ont été choisis pour servir justement d'étoiles de fond dans l'ordre d'introduire des séries d'images groupées, encourager les spectateurs à penser de manière critique sur les images juxtaposées. Après tout, puisque les projets consistent à participer, il doit encourager les sélecteurs, visiteurs, de former leur propre interprétation des nombreuses questions abordées, qu'elles soient politiques, sociales, existentielles ou parfois à référence à la photographie elle-même. Donc, c'est s'interroger sur les médiums lui-même. Et en effet, les artistes, leurs intérêts couvrent différents domaines. Ce qui est clair, c'est manifeste dans leur travail,
comme un désir de créer un sentiment de joie dans leur expression fragmentée, revisitée et combinée avec imagerie. Et encore une fois, je voulais remercier et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont chanté avec nous, donc qui ont fait cette ces projets. Alors, première constat très rapide, sur les 31 portfolios choisis, il y a quasiment une proportion 65% de femmes, 35% de hommes, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Et je pense que des projets comme ça, comme un projet un peu différent qui s'appelle Plateforme, qui est fait par une association portugaise très, très intéressante, je pense que sur le plan institutionnel, je pense que l'Union européenne doit supporter des projets comme ça et même créer des programmes spécifiques, comme il existe un programme média pour les cinémas. Et à l'époque même, moi, j'ai commencé petit à petit à travailler pendant que j'étais directeur du musée de la photographie avec les directeurs de Beaux-Arts à Bruxelles pour créer justement un programme spécifiquement européen sur la photographie. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus parce que tout projet qui a une envergure a besoin de fonds. Et malheureusement, de fonds privés, il y a un peu moins. Je dois faire quand même, là, en écoutant un peu, je passe à un autre sujet, à l'autre, en écoutant un peu l'histoire de la création de l'école Louis Lumière, donc, qui était Paul Montel, était le fondateur. Je dois aller faire un peu de court histoire. C'est que les écoles de photographie en Allemagne, qui étaient les deux principales écoles, c'était à Munich et à Düsseldorf, ont été créés avec les syndicats des photographes, mais ils ont été créés avec l'aide de l'industrie photographique. Ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, je crois, dans l'éducation, ça manque aussi dans la diffusion culturelle. Donc, je pense qu'il faut aussi trouver un moyen de encourager l'industrie photographique a rentré à nouveau dans un investissement culturel éducatif parce que, tout simplement, ils sont dans leur propre intérêt. Bon, vous allez me dire, la question marketing commercial a beaucoup changé. L'industrie photographique s'adresse au grand public et il laisse un peu de côté les experts. Mais malgré tout, il faut les pousser parce que on ne peut pas uniquement se baser sur l'argent public. Il faut trouver un moyen de pousser ces gens-là et les industriels. Je les encourage beaucoup à investir sur ça. Ça va beaucoup aider ce médium qui est quand même très fort en Europe. Et donc, n'oublions pas que la France et Grande-Bretagne ont inventé la photographie, entre autres. On peut prendre une question. Miss Shimlova will have the floor in 8 minutes, so I'm sorry for making you wait. I don't want to get into the details, but let's move on, and thank you for your remark. We will have a collective discussion later. Merci, Vangelis, pour votre intervention. Gilberto, je voudrais vous redonner la parole à présent. Excusez-moi, je reprends mes esprits. Comment, au regard de votre parcours, comment vous définissez-vous ? Êtes-vous un artiste français, colombien, franco-colombien, européen ? Est-ce que ces étiquettes nationales ont du sens ? Comment se conjuguent-elles avec vos identités artistiques ? Et en quoi l'enseignement à Paris 8 a-t-il influé votre travail ? À cette fin, quelle est votre
point de vue sur la dimension eurocentrée ou non de l'enseignement que vous avez reçu. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, je suis aujourd'hui franco-colombien ou colombo-français. Ça dépend de quel côté de l'Atlantique on se pose pour le dire. Et bah, comme je disais, j'étais ingénieur avant et je suis parti pour faire les études d'art ici. Donc, ma culture, elle est celle de quelqu'un qui vient de... Ma culture, c'est quelqu'un qui vient de Bogota, de mon milieu social. Mais disons que tout ce que j'ai appris, c'était en termes d'art et d'enseignement artistique, c'était en France et à Paris 8. On peut dire que c'est un sort de mix et par rapport à ça. Après, bon, je suis vraiment un produit de cet enseignement de Paris 8. Mon travail circule qu'en France aujourd'hui. Et ça, grâce au tissu lié à la photographie et dans les réseaux publics et associatifs. Et disons les CNAP, les ateliers Médicis, les réseaux Diagonal, les centres d'insertion professionnelle avec lesquels je travaille. Et je n'ai pas encore eu des liens avec les mondes de l'art, les marchés de l'art, des galeries. En fait, je pense que ça, c'est aussi très lié à le fait d'avoir passé par Paris 8. En fait, on a passé de réseau énorme, peut-être. On sort du jour au lendemain et il faut se débrouiller. On a des bonnes bases, des théories, pratiques, on développe pas mal de choses. Mais bon, après, je rejoins ce qui était dit par rapport à former, que dans les écoles, on forme les gens à ce qu'ils vont se confronter dans la vie professionnelle. Ça veut dire répondre à des appels et des candidatures. C'est vraiment le monde de la concurrence rude et ultime. Et répondre à faire des ateliers, répondre à beaucoup de choses qu'on est confronté à faire et qu'on n'a pas forcément les moyens. Comme j'ai dit, en fait, mon travail, il est en partie du travail de la Colombie qui m'habite, mais mes questionnements sont forcément liés à France et la région parisienne, en fait. L'autre question, c'était... Est-ce que dans l'enseignement à Paris 8, vous avez trouvé une forme d'eurocentrisme ? Ah oui. Pensez-vous que l'éducation au sein de la communauté européenne participe à la diffusion d'un regard occidental ? En fait, je tiens à dire quand même qu'à Paris 8, en fait, il n'y a pas un formatage des styles, ce que j'ai trouvé. C'est très large, très vaste. On n'est pas vraiment amené à faire du Paris 8. Je ne pense pas qu'on puisse reconnaître un style Paris 8 en photo. C'est même aujourd'hui, je pense, assez éloigné de la photographie classique. C'est évident que ce que j'ai constaté, c'est que toutes les références sont très européens de ces pays qui j'imagine, de la ligne vers le haut, quoi, qui sont ce pays qui entre guillemets, qui compte pour l'histoire, du point de vue de celui ou celle qui raconte l'histoire. Et donc là, je vois qu'il y a vraiment une opportunité. En fait, d'intégrer tout ce qui était dit tout à l'heure, ce matin, d'intégrer vraiment dans ces récits et dans ces questionnements. Et d'ailleurs, les femmes théoriciens, les femmes artistes, photographes, les femmes ou autres, et genres différents. Et après, oui, ouvrir dans son éventail beaucoup plus large des références, en fait, parce que c'est en fait comment on raconte cette histoire et comment cette histoire influence vraiment les générations futures et comment cette ouverture des paradigmes, parce qu'on ne pense pas tous de la même manière, et peut créer vraiment des questionnements qui sont plus inclusifs et dans son avenir. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire en liant ces écoles avec des chercheurs et chercheuses qui sont aujourd'hui en pleine recherche. Il ne faut pas que l'histoire, que les références qu'on a soient des références qui sont d'il y a 20 ans, quoi.
Il faut vraiment que ça rentre aujourd'hui même dans cette actualité. Mais je sais aussi que bon, je pars toujours par Paris 8. Il y a aussi la question des moyens, ça veut dire recherche, ça veut dire moyenne, et c'est pas forcément ce qu'il y a en abondance. Donc, mais il faut se donner les moyens. Je pense que c'est une question éthique et une question de pour l'avenir, en fait. Quelle est l'image de la société qu'on est en train de produire à cause de ce qu'on apprend à l'université. Voilà. Merci, Gilberto. And finally, Miss Simlova, thank you for your patience and thank you for your listening. With regards to what has been said in the discussion, could you please tell us about your experience engaging with diversity in the educational context of FAMU Prague? How do you assess the circulation of students and former students of FAMU during and after the studies? And to which extent is FAMU integrated in at the European level, or is the regional level more relevant for your institution? Yes, thank you. Thank you very much, like, to inviting me. Also, like, sorry, like, my email system protect me too much to getting the information. So I just, like, was, like, invited about two days ago. So sorry about it. And it is preferably the 6th. But actually, what I am starting, I don't think, like, that this presentation is very kind of, like, well prepared. But, like, anyway, like, this is the middle of the Europe, which is, like, just, like, 50 kilometers from Prague. Despite that, we are, and it is like huge topic now for the for our students, for the teachers, and also for the international students, is kind of like tendency which came, I don't know from where, kind of like to observe or to watch again what Iron Curtain was before. So it is like actually one of the topic which is probably for us now a little bit more actual than European Union or than the Central European tendencies or decentralized Europe or whatever, because now it's coming from the new generation some kind of like wish to know what was behind. And this wish we take as a kind of like opportunity, especially for our master program, because we wanted to initiate the programs where we would go back and watch like these centers, especially like local scientific centers, who has a like great kind of like sources of the information. We have been visiting Baikonur, like this kind of like Kazakhstan's Russian cosmodrome site where they are still kind of like launching the rockets. We also like have visiting the Chernobyl, but from the Belarus side. So what was like also like interesting to kind of peek into the political situation. So actually, it is our position now. We have a like international program. We try to balance it, so we have a like the same number of the Czech or Slovakian student and the same number of the international students. We are quite limited by the capacity, so we have a like about 10 number of the 10 students in each year. But unfortunately, like the conditions are not the same, like the Czech students are kind of like studying in for free, like I quoted, because they are actually studying from the taxes of their parents and everybody. But like the students in English program must to pay the fees, which are quite high.
But anyway, like we just like managed to have a each year very interesting group of the students, which is coming from all of the world. And we also don't have like many students from Africa, like this is true, but like then all we are covering the Asia. Like the students who are coming to Prague, they must to have some kind of a reason for it. Usually they have like something special, some kind of like feature of wanna to kind of like experience something special, or I don't know, like some kind of like it is not like it is especially like the people who are coming for example for US or something like this. This is not kind of completely common US students. It is like they have some kind of like adventure in their nature, but like we really appreciate it. And what is kind of like what I really appreciate that now for a couple years these students who came to study to Prague are staying, because like we definitely need this kind of like coming and enriching things, because as all kind of like small countries, we just like have a very often kind of tendency to close. There's kind of like always like in the let's say in the political atmosphere, there are this kind of tendency of kind of like be afraid, be too much protective, and we see it in the in all V4 countries, like which is like post communistic country, which is like Poland, Hungary, Czech Republic, and Slovakia. And because of this experience, we had like the same aim to enter the EU, but like now we see what's happening in this country. According to the politic, they try to kind of like limit the human rights and kind of like change the legacy in not very good way. So this is what I may say. Thank you, Stepanka, and thank you to all of you for your interventions. Now I think that we have some time for questions from the audience. I don't know how we're doing on that on the time front. Une réaction? Oui, Gilberto. Oui, en fait, par rapport à ce qui était dit. Bon, après c'est pas en question, c'est une remarque. En fait, c'est j'ai entendu le fait que c'est très positif que les étudiants étrangers restent, mais les non-européens, c'est une vraie galère. En fait, c'est hyper difficile de pouvoir rester parce que il faut justifier de l'emploi, il faut justifier plein de trucs qu'on n'a pas forcément dans la culture. Il faut assurer, en France au moins, un salaire autour de 2000 euros par mois dans la culture pour un visa, un séjour de travail. Et donc, là, c'est soit on se marie, soit on, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, ça, c'est peut-être des questions qu'en Europe, les gens ne se posent pas trop parce que c'est l'Europe, quoi. Mais pour nous, extra-communautaire, comme aux anciens extra-communautaires, c'est une vraie question, et c'est comment on peut rester malgré le fait que même si on veut, c'est vraiment très, très, très dur, parce que même je connais très peu de collègues français qui, même travaillant dans des structures culturelles, gagnent autour de 2000 euros par mois après les études. Donc c'est la question de l'insertion professionnelle, pour nous, c'est vraiment... Voilà, donc c'est un peu... En fait, cette table ronde se clôture sur les questions économiques comme la précédente. Donc, ce sera certainement le sujet des tables rondes de l'année prochaine. Oui, et à l'occasion de l'anniversaire de Martha Gili, pas de Martha Gili, mais de l'école qui dirige Martha Gili, et c'est quand même... J'ai pris une phrase qui avait mentionné Alain Devergne en 1985 sur les...
sur le but un peu de l'école. Donc, il y avait, moi, j'adore les triptyques, toujours, je fonctionne un peu. Donc, il a dit, donc, c'est important que l'école, et je crois qu'il était vraiment en avance. Donc, il dit, donc, il faut faire une école qui, on fait voir, dire et montrer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se développe et qui reste toujours sans limite. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir clôturer s'il n'y a pas d'autres questions sur ce vaste sujet, mais que finalement, Arthur, vous avez réussi à circonscrire de manière magistrale, parce que il m'appartient donc de conclure ces rencontres. Je vais me mettre. Bien. Merci vraiment à l'ensemble des participants de cette table ronde. Effectivement, encore toutes nos excuses parce que pour cette inversion, effectivement, entre le prénom Stepanka et le nom Simlova. Et c'est vrai que Stepanka Simlova, nous avions souhaité, désiré ardemment qu'elle vienne. Nous l'avions mise dans le programme bien en amont. Et pour des raisons vraiment purement techniques de communication, on a réussi à échanger vraiment très tardivement, d'où apparemment cet apparent déséquilibre que vous avez à juste titre souligné, madame. Alors, concernant la conclusion, finalement, j'ai retenu trois points et trois enseignements. Les trois points, ben, le premier, démonstration a été faite que la photographie, ses usages, ses enjeux sont historiquement et actuellement ancrés dans un grand tout qui est celui des sociétés, celui des hommes, celui des femmes, dans toute leur gradation, leur hybridation, hein, on l'a très bien vu, hein, autant de notions, gradation, nuance, hybridation, autant de notions donc, qui font écho à la photographie. Elle-même. La photographie est le marqueur social, c'est pas un marqueur social, pour moi c'est le marqueur social, un symptôme, hein, on a parlé de maladie, un symptôme, c'est le marqueur, le symptôme par excellence, et j'irai plus loin, elle l'incarne. Deuxième point, démonstration a été faite que la diversité, les diversités, le pluriel, la pluralité sont autant de notions constitutives de la photographie. Elles font partie intégrante de son ADN, hein, ADN qui lui-même évolue depuis son invention et qui connaît des évolutions à la faveur d'un télescopage de techniques, hein, qui forment une technologie. Il n'y a pas que le numérique, il y a Internet, les réseaux sociaux. Au départ, l'informatique, on oublie cette étape première du traitement automatique des données. Et finalement, ces rencontres font encore toute sa richesse. Troisième point, finalement, et c'est que démonstration a été faite également que dans ce grand tout du décloisonnement, entre les arts, les techniques, les sciences, le design et autres, la photographie tient encore une place centrale, structurante. Elle est un liant, voire le liant par excellence. Et là également, je pense qu'elle l'incarne. Trois enseignements également, c'est que le premier enseignement, c'est que une des premières leçons de ce séminaire, en vous écoutant les uns et les autres, est qu'il finalement, il ne faut pas utiliser le vocable photographie au singulier, mais je crois, une idée que je défends dans mon enseignement, il faut l'utiliser de manière systématique au pluriel. Utiliser donc ce vocable photographie au pluriel. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut consolider ce fameux réseau.
et notamment dans les rencontres, se rencontrer déjà physiquement en présentiel, également échanger. Et tout ceci en premier lieu au service de nos étudiants et de nos étudiantes. Ça, c'est une évidence pour, je crois, tout responsable qui est présent ici, qui est intervenu dans ce séminaire. Et enfin, le troisième enseignement, et Arthur, vous m'avez vraiment devancé, j'en suis vraiment très, très heureux, c'est que la demande, l'approche économique est une demande saillante. Ça c'est clair. Alors peut-être parce que c'est ce contexte de temps de crise qui renvoie la grande commande sur qu'on a évoqué tout à l'heure en début de séance sur la radioscopie de la France. Cette commande photographique qui sur le plan historique est exceptionnelle. C'est vraiment l'une. Ça nous renvoie à la FSA, mais je trouve que c'est vraiment un événement majeur. Et donc cette demande économique, ce volet économique, cette approche économique, qui, je pense, fera l'objet d'une autre réflexion pour l'année prochaine, dans deux ans, à Arles ou autre, on verra. Mais vraiment, cette approche économique, on l'a vraiment clairement entendue. Et puis, pour reprendre finalement une approche journalistique, ce chapeau économique qui permettra effectivement d'aborder la question de l'insertion professionnelle, d'avoir cette réflexion sur les métiers, finalement, ces métiers, la question de la réflexion sur les acteurs publics, mais vous l'avez très bien souligné, les acteurs privés, et notamment ce qu'on appelle maintenant la grande industrie, mais enfin l'industrie, mais qui a pris effectivement, on a tout ceci, l'environnement économique a énormément changé au niveau de la. Et également les coûts de diffusion. Vous avez parlé des coûts de diffusion, comment on peut accompagner nos étudiants dans la diffusion, de leur valorisation des travaux, et également, finalement, les coûts de production, de fabrication. Et donner également beaucoup plus, je pense, la parole à nos anciens étudiants. Nous en avons deux ici à notre table, parce que c'est vrai que leur regard, au-delà, nous sommes enseignants, nous sommes responsables dans des diverses institutions, et c'est bien de donner beaucoup plus la parole à ces anciens étudiants. Et enfin, si vous permettez quand même, ce qui a été souligné, alors c'est à contre-emploi dans deux tables rondes consacrées à la diversité, mais c'est assez frappant aussi la question du modèle public français, qui est quand même ressorti. Est-ce que ça peut être un modèle aussi à suivre? C'est un modèle qu'il faut défendre, ça c'est une certitude, bien que ça ne doit pas être un modèle monopolistique, ça c'est très très clair, et c'est aussi un des ultimes enseignements de cette matinée de travail. Vraiment, je vous remercie chaleureusement de votre présence, de ces échanges, et je vous dis donc à l'année prochaine à la Bibliothèque nationale de France, si elle veut bien nous accueillir, à Arles, première semaine de juillet, sous des formes qu'il nous reste encore à inventer. Merci à vous.